20 pour un flash info de dernière minute. Ce matin, des hommes du docteur Bonobo ont été aperçus et signalés dans la banque de la capitale. Ils ont abattu tous les gardes. Ils sont armés, très dangereux. Mais laissons la parole à notre envoyé spécial qui est sur les lieux. Vous nous recevez, Tim ? Oui, la ligne est claire. Je suis actuellement avec les forces de l'ordre de la ville qui établissent un périmètre de sécurité autour du lieu de l'affrontement. Les forces de l'ordre déconseillent aux citoyens de... Oh, regardez, c'est incroyable ! Le capitaine Merveille vient d'arriver sur les lieux. Quel spectacle, mes amis ! À peine est-il arrivé que déjà... Mais qui voilà ? Je crois bien que... Oui, je crois bien que c'est l'homme atome qui arrive pour prêter main forte au capitaine Merveille. C'est du jamais vu. Bon ça, Vermine. T'es déjà là, capitaine ? Ah, c'est toi, Atom. On sera pas trop deux sur ce coup. Ouais, c'est vrai merdier, pas vrai ? Je sais pas combien de types qui ont la même tronche j'ai tabassé depuis 5 minutes que je suis là. Je te le fais pas dire, camarade. Ils sont hargneux, mais pas très résistants, les bougres. Un peu comme d'habitude, les autres viennent pas. On voulait pas se ramener à trop, ça aurait fait con. On se serait marché sur des pieds, et les civils auraient peur que ce soit un trop gros truc. Il y avait bien l'âme sardine, mais il s'est fait choper par un clone, ce con. Enfin bon, c'est juste du Sbiros classique. C'est pas non plus une attaque extraterrestre. Qui est-ce qu'on doit à toutes ces gueules de cons ? Ça fait vachement plus que d'habitude. Ouais, c'est clair. Le docteur Bonobo fait fort, sur le coup. Mais je suis un peu inquiet. Ça fait une demi-heure qu'on est à basse, et on en voit toujours pas la fin. Quoi, c'est lui tout ça ? T'en connais beaucoup, des docteurs mégalos qui utilisent une armée de clones moches et complètement cons ? Ouais, pas faux. Tomato ! Capitaine Merveille ! Capitaine Merveille ! Et 35 ! Non, moi c'est 76. Qu'est-ce que tu dis, gamin ? Bah ouais, c'est comme ça qu'il m'appelait au QG. Elle me met de plus en plus mal à l'aise vis-à-vis de ma compréhension profonde du monde dans cette mission. Cette fois, je crois qu'il en reste plus. Ce fut un combat intense, mais victorieux. En tout cas, tu t'es plutôt bien débrouillé pour un novice. Bravo, mon ami. Ouais, enfin, ça fait 8 ans que je fais ça, hein. On a tous nos faiblesses. Il faut savoir les embrasser. Ouais, bon, je te laisse raconter ça aux médias, comme d'hab. Du calme, une à la fois. Pouvez-vous nous raconter ce qu'il s'est passé ? Eh bien, de toute évidence, une centaine de sbires de l'infâme Dr Bonobo viennent de recevoir la raclée de leur vie ! Pour le moment, nous n'avons pas d'informations sur la raison qui a poussé le Dr Bonobo à attaquer la banque. C'est certainement tout cet argent qu'il y a dedans. Et le Dr Bonobo dans l'histoire ? A-t-il été aperçu ? Bien sûr que non ! Le docteur est resté planqué dans son QG, et il a bien fait ! Selon vous, est-ce que le docteur Bonobo représente encore une menace pour la population ? Non. En tant que protecteur du peuple, je vous promets que cet homme est tout à fait insignifiant, et en jugé par la qualité de ses hommes, je peux assurer que cet échec sera lui faire oublier ses événements passés. Bon, maintenant, qui veut un autographe sur sa culotte ? Bon bah, vous voulez peut-être qu'on change pour une radio ? C'est moins cher. Bon, ok, je me barre. Et là, le mec, bon, je lui rends son sandwich et tout, et il me sort quoi ? Bah alors, il te sort quoi, le mec ? Ah bah non, c'était juste pour savoir si tu savais auquel je dois le raconter. Moi, j'ai oublié. Ah bon ? Du coup, c'est bon, t'as fini ? Parce que j'ai un truc à faire, moi. Tu vas faire quoi ? Là, bah, je vais arroser les plantes. Ah ouais, c'est pour ça, l'arrosoir ? Exactement, c'est pour ça, l'arrosoir. Ok, mais t'es au courant qu'il pleut dehors ? Bah oui, je suis pas con, c'est pour ça que j'ai pris un parapluie. D'accord, habile. Je voudrais le numéro 14 dans mon bureau, tout de suite. Putain, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ah, et t'inquiète pas, c'est pas pour t'engueuler cette fois. J'ai juste besoin d'aide avec un nouveau. Ah ok, ça va, j'ai eu chaud. Bon, j'ai cours, hein, salut ! Salut. Ah, et si tu passes devant le ficus, arrose-le, hein, j'ai pas eu le temps ce matin. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de temps, alors faisons vite. Quand je t'ai affecté à ce département, j'ai pas eu l'impression que t'es tout compris. Tu sais ce qu'on fait ici, quand même ? Des enceintes ? Des enceintes ? Bah ouais, ou alors c'est un truc en rapport avec tout ce qui est électroacoustique, quoi. Je vois plein de trucs du genre des enceintes partout. Les trucs au mur, là ? C'est pour diffuser des messages pendant que vous travaillez ça. Enfin, bref. Ah ouais ? Ou alors c'est quand vous avez dit dans l'enceinte du QG ? Bref, ici c'est le centre du quartier général. C'est là qu'on prépare toutes les missions à grande échelle. On est des vilains, donc principalement on terrorise les populations pour conquérir le monde. D'accord. Ça va ? Ah ouais, c'est un peu audacieux. Comment ça ? Bah, le monde, c'est très vaste quand même. En même temps, si t'es là, c'est que je te demande pas ton avis. Ouais, d'accord. Mais je fais quoi, moi, du coup ? Salut, bonjour ! Ah, bah voilà, parfait. Ça, c'est 14, il va t'expliquer en détail comment ça marche ici. Je te laisse entre ses mains pour le moment, moi, je file. Salut. Salut, Doc ! Incroyable, il me reconnaît à chaque fois, quoi. Bonjour, 14 ? Salut, c'est toi, 24. Ah ouais, quand même. Enfin, c'est pas bien grave, tu sais, hein. Ici, on a même un mec qui s'appelle Frédéric, alors bon. Ah ouais, merde ! Mais dis, on est que des clones ici. J'ai presque pas vu d'autres mecs. Ah, bah ouais, on est les hommes de main. On est tous presque pareils. C'est plus effrayant. Mais on arrive à s'y retrouver, hein, t'inquiète. Après, c'est sûr qu'on essaie de recruter pour plus de diversité. Mais bon, c'est pas évident.
C'est quoi ton nom déjà? 24. Ah, c'est vrai, Frédéric, tout ça. Bon, bref, moi c'est 14, et t'inquiète pas, t'es entre de bonnes mains. Je vais t'expliquer tous les faits longs. Ah ouais, c'est sympa. Et du coup, ça se passe comment pour préparer l'émission? Préparer les... Mais attends, on fait pas des enceintes ici? Hey, mmh. Hey, mais réveille-toi. C'est quoi l'événement? Tu m'as dit de venir parce que t'avais un truc à me dire. C'est moi, 24, le nouveau. Moi c'est 14, et je suis le bras droit du docteur. Je sais ça, on s'est vu juste hier. Tu m'as dit que tu m'apprendrais les ficelles, vu que je suis nouveau. Ah, exact. Bon, bah, tu vois, ici, c'est la salle des coms, et c'est là qu'on reçoit les appels et qu'on les transmet. Là, c'est ce que tu faisais? Là, je dormais. D'accord, mais on fabrique quoi ici, du coup? On reçoit les appels et on les transmet. Ah ouais, mais je veux dire, on n'est pas censé être en train de terroriser des gens ou d'attaquer des trucs? Non, pas aujourd'hui. Ouais, mais je veux dire, on pourrait au moins préparer des missions. T'as dit que c'est ce qu'on ferait dans ce département et... Oui, mais là, non. Pourquoi? Pourquoi? Ta gueule, voilà pourquoi. Assieds-toi et prends les appels. Ah, mais je sais. De? T'es là parce que t'es puni. Hein? Ouais, nous aussi, le docteur Bonobo, il nous mettait à des boulots de merde quand on faisait des conneries. Allez, t'as fait quoi? Mais non, rien du tout. Et puis assieds-toi, je t'ai dit. Allez, tu peux me le dire. J'ai laissé s'enfuir l'homme sardine. C'est bon, on peut arrêter d'en parler? Ok, pardon. Sans déconner, l'homme sardine, tu t'es fait berner par un mec tout pourri comme ça? Il est vachement plus coriace qu'il en a l'air, ok? Non, mais de toute façon, je pourrais pas manger une banane qui est pas courbée. J'aurais trop l'impression que c'est une courgette qui se fout de ma gueule. Ouais, mais c'est clair. De toute façon, c'est comme je te disais. Ah, pardon. Oui, allô? Bonsoir, on a un problème dans le QG, j'aurais besoin de... Oui, 24 à l'appareil. Je suis fou de joie de le savoir. Je disais, on a un problème dans le QG. C'est le docteur Bonobo? Ouais, c'est lui. Dis-lui que je suis là. Le numéro 14 est là. Mais non, mais enfin, j'en ai rien à foutre. Je veux juste te demander de l'aide. T'es là pour ça, non? Ah ouais. Bon, donc on a une brèche dans la sécurité du QG. Alors on aura besoin de toi pour... J'arrive, je vous passe 14. Ah, attends. Oui, bonjour, qui est-ce? Tu te fous de ma gueule? Ah, bonjour, Doc. Ne m'appelle pas comme ça. Pas de problème, Bob. Putain. Il est parti où, le gars, là? Ah, ben, je sais pas, surtout que j'ai même pas dit où il devait aller. Ah, merde. Bon, ça me fait chier de te demander ça, mais on a des problèmes avec Gate et la sécurité du QG. Donc là, en ce moment, on n'a pas du tout de temps à perdre. Tu te souviens de l'homme sardine? Vaguement. Eh ben, je voudrais que tu le trouves et que tu le mettes hors d'état de nuire. Si tu vois ce que je veux dire. Non, pas bien. Ah non, si. Ah, ça y est, j'ai compris. A tout de suite. Docteur Bonobo! 14! Le nouveau... Ah non, ça c'est moi. Quelqu'un! Dis-moi, 14, je suis un peu à la bourre. Cet après-midi, j'aurais besoin de toi, 27 et 34. Est-ce que tu peux les mettre au courant? Ça va être tendu, hein. 27, je sais pas s'il sera chaud pour une mission. Il a perdu ses bras dans une explosion à la cantine la semaine dernière. Ouais, enfin, il aura pas besoin de ses bras, donc ça va. Et 34? Ah non, 34, lui, c'est clair que c'est pas possible. Vous vous souvenez de la dernière mission que vous avez demandé au gars? Ouais, vaguement. Ah, bah, il y était, et il s'est fait mordre par une lesbienne. Il veut plus sortir de sa chambre maintenant, je vous raconte pas. Hein? Il s'est fait... Bon, je vais même pas insister. Dis à 27 d'être là à 13h. Ok, bah, faut pas que je confonde. Hein? Que je dise pas à 13 d'être là à 27h. Mais c'est pourquoi de base la mission? Alors c'est pas une mission, c'est un accueil. J'ai essayé des nouveaux trucs et c'est... Enfin, vous verrez. Bon, alors, pour commencer, je vais vous faire une petite description du QG dans lequel vous venez d'arriver. Elle sera divisée en 15 sous-parties sous-jacentes à 4 grands axes primaires qui sous-jacent elles-mêmes 2 grandes parties. Ça nous fait 47 points primordiaux à aborder. 47 ? Y'a un problème? C'est vachement compliqué, quoi. Ouais, enfin, moi, je trouve ça plutôt simple. Non, mais vous formalisez pas, hein. De toute façon, le gars de tout à l'heure, il a déjà dû vous expliquer pas mal de trucs. Ouah, le gars de tout à l'heure... Quoi? Y'avait pas de bras! Pas de bras! Ouais, enfin, pas de bras... Non, mais à part ça... Non, mais comprends-nous, il nous faut des repères, quoi. On est quand même au milieu de nulle part. Ouais, enfin, moi, je trouve qu'on est quand même pas mal en périphérie de nulle part, quoi. En périphérie! Bon, pardon, tu peux faire autre chose que gueuler, toi? Non, mais lui... Ouais, je vais faire ton du QG, en courant, ouais! C'est qui, ça? 129, il est trop lourd, sérieux. Ouais, bah, je trouve pas trop. Excusez-moi, vous êtes tout le temps comme ça? Comment ça? Non, moi, je suis différent, des fois. Bah, je sais pas, entre toi qui est ultra mou, lui qui passe son temps à contredire tout le monde, et 129 qui est... Moi, je coupe la parole! Et j'ai fait le temps du QG 4 fois! Bah, on est peut-être des clones, mais on est des êtres humains. On a des personnalités propres, quoi. Ouais, je suis pas trop d'accord. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Enfin, d'accord, mais bon, là, c'est quand même hyper marqué, quoi. Comment c'est possible, au final? Bah, le docteur Bonobo, il nous crée pas tous de la même façon. Comment ça? Bah, imagine que le docteur nous crée tous dans une espèce de super grande marmite. Ouais. Bah, quand il fait un nouveau mélange, c'est comme s'il faisait tomber un truc différent dedans à chaque fois. C'est toujours à peu près la même recette, seulement il y a un truc qui va faire qu'on a notre caractère. Ouais, moi, je pense que ça a rien à voir. J'ai rien compris. Moi non plus. Hey 18, t'as pas vu 14? 14, elle est avec le docteur Bonobo, je crois.
Mais pourquoi tu le cherches? Ah, bah, je sais pas, pour lui parler. Tu l'aimes bien, toi, ce type? Pas toi? Si, si, enfin... Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je supporte pas son accent. Son accent? Ouais, son accent, quand il parle. Bah ouais, quand il parle, je me doute que c'est pas quand il régurgite. Mais il a absolument pas d'accent, 14. Eh bah, je sais pas ce qu'il te faut, j'entends que ça, moi. On parle bien du même. Ouais, enfin, le gars qui te ressemble, quoi. Le gars qui me... Bon, visiblement, t'as de plus gros problèmes que moi, donc je vais te laisser. Je t'embête pas plus. Ouais, merci. Mais du coup, en fait, c'est bon? C'est réglé? Ouais. De quoi qui est réglé? Tu te souviens de ce que t'avais à faire quand même? Ouais, mais rappelez-moi qu'on parle bien de la même chose quand même. L'homme sardine? Ah bah oui, c'est fait ça. Comment ça c'est fait ça? Bah c'est bon, c'est réglé, il est mort. Ah bon? Ouais, enfin disons qu'il y a quand même eu quelques complications quoi. Ça m'aurait étonné. Non mais rien de grave hein, je vous raconte. Je suis allé chez le gars pendant la nuit. Il y a plus original mais c'est efficace, continue. Donc dans le salon, il y avait une sorte de vieille dégueulasse qui tricotait devant la porte de la chambre du gars. Si j'ai bien compris, elle était aveugle et sourde et toute viruleuse. Genre, elle avait plein de verrues. Donc, je lui ai planté ses aiguilles dans le bide. De quoi? Ouais, et croyez-moi pas, le mec, il dormait encore dans sa chambre. Donc, je suis rentré, et comme vous nous avez dit un truc du style « il faut se méfier de l'eau qui dort » ou je sais pas quoi, j'ai essayé de le réveiller en lui foutant des coups de genoux dans le nez. Il s'est réveillé en hurlant et en essayant de me frapper avec un panier à champignons plein. Putain, ça puait la mort, son truc. Et mine de rien, ça faisait mal, alors j'ai appelé les flics. Attends, t'as appelé les flics? Ouais, non, mais j'arrivais pas à leur expliquer le truc, ils comprenaient rien, et l'autre, il gueulait derrière, alors au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Je l'ai assommé avec un truc qui traînait, je lui ai fait tomber sa bibliothèque sur la tronche et j'ai foutu feu au pageau, pour être sûr. Mais je vois pas ce qui vous dérange, je l'ai buté le mec. Oui, non mais je sais pas, je pensais que t'irais le confronter directement, pas que t'irais chez lui pour buter sa grand-mère. Alors attendez, non. La dernière fois que je suis allé le voir en coproduction directe... Confrontation directe. Ouais, et bah la dernière fois, il est parti en courant et on a foiré la mission. Non mais ça d'accord, mais après... Quoi après? T'étais obligé d'appeler les flics? Ils auraient voulu que j'appelle qui? Mais personne, tu tues la cible et tu te barres. Ouais bah je suis désolé, mais c'était pas clair du tout, je pouvais pas savoir moi. Bon, c'est pas grave, maintenant tu sauras. L'important c'est que l'homme sardine est mort. T'es sûr qu'il y a aucun moyen pour que la police trouve des preuves? Ah bah là, si je cherche des preuves, je leur souhaite bonne chance, hein. Il reste plus que descendre. Descendre, parce que je l'ai descendu. Je peux partir? Casse-toi. Parce que là, c'est assez urgent, en fait. Bah tiens, justement, il est là. Docteur Bob? Tiens, tu tombes bien pour une fois. Je peux te poser une question? Il est 17h45. De quoi? De quoi? Vous avez pas demandé l'heure? Il est complètement con ou... Non, non, mais attendez, justement. C'est qui? Hein? Mais c'est le docteur Bonobo. Eh bah vous tombez bien, docteur Boniface. Bon, j'ai pas le temps, là. Cassez-vous. Bon, je vous explique, ça va être très court. Ouais, écoutez bien, monsieur bodybuilder. Ouais, non, par contre, tu vas pas du tout m'interrompre, en fait. Sinon, ça va être très compliqué. Donc, en gros, je voulais vous parler parce que 32 ici présent a un problème. Je vous écoute. Merci, caporal Bourdonnement. Ta gueule. Donc, en gros, le truc, c'est que ça fait 5 ans que 32 travaille au QG dans la maintenance des circuits électriques. Et des fois, je me prends des gros coups de jus. Tu m'étonnes. Et ça fait 5 ans qu'il a jamais été remercié pour son travail ou envoyé en mission. Alors que je vous rappelle que la dernière fois, dans la banque, on aurait bien eu besoin d'un mec pour... D'accord, je t'ai dit. En gros, il voudrait se rendre utile à la cause. Voilà. Mais il veut faire quelque chose en particulier? Ah bah, ce que vous voulez, de toute façon, il sait rien faire. Non mais c'est bon, je me barre, moi. Ah, attendez, si. Il a un super sens de l'orientation, il paraît. Ah bon? Ah bon? Je ta gueule. Mais bien sûr, il pourrait vous trouver une botte d'aiguille dans du foin ou d'autres trucs. Bon, demain, il faut que j'aille récupérer un colis avec du matériel très important en ville. Du matos pour les ingénieurs. Du matos pour qui? Pour les ingénieurs. Pour les ingénieurs quoi? Pour les ingénieurs. Ah ouais, les mecs qui ont les mains calleuses et qui font des calculs d'ingénieurs. Pour moi, c'est les mecs qui me mettent les doigts dans la prise. Je les aime pas trop, ceux-là. Hein. Je crois qu'ils ont un traumatisme d'enfance pas résolu. Eh, il a pas intérêt à se planter, ton gars. Planter quoi? Non, je veux dire, il vaudrait mieux qu'il fasse pas de conneries. Qui ça, moi? Ah ouais? Ouais, parce que c'est assez urgent le colis, on en a besoin pour le prochain coup. Vous inquiétez pas, je vous dis, c'est un as. Ah bon? Un as? J'ai dit quoi? C'est marrant, je suis pas rassuré. Mais faites-moi confiance, puisque je vous dis que ce gars, c'est l'élite. Hein, que t'es l'élite, machin? C'est qui, machin? C'est toi, machin. Mais non, moi, c'est 32. Non, mais tu le fais exprès, tu vois bien qu'il n'y a pas d'autres clones que toi ici. Ah, mais parce que machin, c'est un clone en fait. Parce que je le connais pas, hein. Demande à le rodateur Marlboro, il doit savoir, lui. Bon. J'ai compris, ça va, barrez-vous maintenant. Ok, merci Bob. Ouais, merci professeur Biblo. Hey 14. Ah, c'est toi le nouveau? 24. De quoi 24? Non, 24 c'est mon nom. Ah oui, pardon. Non, promis, ce coup-là je retiens, ça va. Allez, à plus. T'es pressé? Bah là je vais bouffer, alors ouais, carrément. Et puis je vais parler au doc aussi. Mais je vais surtout bouffer, du coup, salut. Attends, non, mais je voulais te poser une question. Je peux bouffer si j'y réponds? Tu le connais bien, 18, toi? 18, c'est pas le mec qui parle tout bizarre avec un sourcil qui est plus foncé que l'autre? Ouais, ça lui ressemble assez. Ah, ton cul, j'ai faim. En fait, je le trouve bizarre, j'ai l'impression qu'il a pas trop compris qu'on était tous des. Enfin, tu vois. Des clones. Tu sais, tu peux le dire, hein, personne est vraiment complexé par ça ici. Mais comment c'est possible qu'ils se rendent pas compte? Bah, tu sais, il y en a beaucoup ici qui ont pas une jugeote très. Ouais, bon, ça j'avais vu, mais là. Bah, faut comprendre que quand t'es entouré que de clones. Attends, mais d'ailleurs, je me demandais, on est les clones de qui en fait? Hein? Bah, de moi. De quoi? Bah, ouais, t'as pas remarqué que tout le monde me ressemblait dans le QG? Je me sens si seul. Du coup, on fait quoi? Je suis pas sûr. On peut pas laisser ça comme ça. Tu veux faire quoi? Je sais pas, on pourrait peut-être les empêcher. Bah, les empêcher, t'es marrant toi. Chut. Tu crois qu'ils nous entendent d'ici? Comment ça? Je sais pas, tu trouves pas qu'il a réagi celui-là? Tu crois vraiment qu'il parle notre langue? Qu'est-ce que je sais, moi? On devrait peut-être y aller. Et risquer de gâcher notre couverture et de se faire défoncer? Sans moi?
Mais qui te dit qu'ils sont violents? Mais regarde-les, putain, ils sont pas cons. Mais comment ça, regarde-les, putain? Et puis je croyais qu'il fallait pas faire de bruit. Bon, tu sais quoi, si tu veux y aller, vas-y. Moi, je m'en fous, je risque pas ça. Ok, bon, bah, j'y vais. Non, attends, me laisse pas tout seul. Merde, faudrait savoir. Mais il faut déjà qu'on établisse un plan, pars pas à la zop comme ça. D'accord, mais on veut quoi, au juste? Moi, je veux juste qu'ils arrêtent. De quoi? Mais ça! Mais ça correspond à quoi, ça? Mais je sais pas, c'est peut-être culturel. Bon, moi, ça me saoule. Attends, attends. On peut pas en putain pour donner l'exemple aux autres? Sérieux? Mais pourquoi pas? Il y a 2 minutes, t'avais peur d'eux et maintenant tu veux les prendre en otage? Putain, tout de suite parce qu'on en putain pour que les autres nous obéissent, c'est forcément une prise d'otage. Bon, on fait quoi, du coup? On y va. Mais avant, je vais chercher de quoi assurer ma sécurité. Ils sont toujours là? Ouais, ils ont pas bougé en même temps. Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'armure? Bah oui, l'armure. T'inquiète, c'est pour être sûr d'éviter les coups de pute. Bon, du coup, on y va maintenant? Ouais, allez. À mon signal, on commence à y aller tout doucement. Et une fois suffisamment prêt, on tape. Ok, maintenant. Tout doucement. Hé, les gars, vous auriez pas vu la cage avec mes lapins? Mais putain! Tout ça, là, sur le ventre, c'est quand le docteur Bonobo nous a demandé de nettoyer la chute à ordures après qu'on ait fait les cons à mettre des trucs dedans. Ah ouais, c'est dégueulasse. Mais c'est quoi? Tu t'es écorché sur un morceau de tôle? Ah mais non, mais c'est parce qu'en fait, dedans, on avait balancé un Iranien, on avait oublié. Et le gars, il a été pris de panique quand on est descendu, il nous a attaqué avec une chaîne à vélo. On a perdu 3 gages ce jour-là. Ah merde, ouais, à la boulette, quoi. Et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est vieux. C'est quand je me suis fait mordre par une vipère. Par une vipère? Où ça? Bah là, dans le QG, il y a un nid, mais on n'a jamais voulu le détruire. Ah, vous voulez pas les blesser? Ah non, non, on a juste tous très peur. Quelqu'un a vu 32? Ah, bonjour, docteur Bombao. Mais qu'est-ce que tu fous là, immense connard? On devrait partir depuis 2 heures. Parti où ça? En ville, trou de balle. Si tu ramènes pas ton cul dans 10 minutes, je vais t'en trouver des activités honorables, moi. Oh, putain. Il est pas de bonne humeur. Tu crois? T'es dans une merde. Ah, c'est là. Y'a sacrément intérêt pour toi. Tu te rends compte que ça fait 4 heures que je marche dans cette ville affreuse à travers ces rues dégueulasses en me traînant un débile qui me parle de conneries sans intérêt, alors que je t'ai amené justement parce que t'étais le seul à connaître le chemin? Bah moi, dans l'ensemble, j'ai plutôt passé un bon moment. Ta gueule, entre. Bonjour. 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 Déjà dit, je répondrai pas. Mon nom est Vanessa. Bienvenue chez nous, je suis heureuse de vous servir et... Stop. Pardon? T'es pas heureuse de me servir, autant que moi d'être là en ce moment. Alors, j'aimerais que ça aille vite et qu'on coupe tout de suite court à cette fausse joie de vivre. Ça me fout la nausée plus qu'autre chose. Vous devez être le docteur Bonobo. Suivez-moi dans l'arrière-boutique. Entrez, docteur Bonobo. Excusez-moi, monsieur, vous cherchez les toilettes pour les personnes non autonomes? Non, je suis avec le titulaire bombardement. Attends-moi dehors. Ben vous voyez, on a eu votre colis spécial, c'était pas la peine d'être énervé. Ouais, et puis c'est pas comme si on avait eu un mauvais voyage. Vous savez ce que je pense? J'en ai pas grand chose à foutre, honnêtement. Je pense qu'à force de penser que tous les gens vous jugent et vous détestent, vous tentez de leur renvoyer en détestant tout le monde et en essayant d'être supérieur à eux tout le temps. Mais en fait, je suis sûr qu'au final, vous avez un grand cœur et que vous essayez juste de rejeter votre frustration sur les autres parce qu'au fond, vous êtes sensible. Attention, voiture. Ah! Ouais, et du coup, pour faire court, j'ai décapité et il est mort. Tu l'as décapité? Enfin, je l'ai amputé, quoi. Ah, ok. Amputé de quoi? Ben, de la tête. Comment ça? Ben, de la tête. Bah, tu veux que je l'ai amputé de quoi d'autre pour qu'il meure? Bah, justement, tout, sauf la tête. Non, mais ça revient pas au même. Putain, le ringard. Mais t'aurais fait comment, toi? Alors moi, tu vois, j'aurais fait s'agenouiller sur une règle triangulaire et je me serais assis sur ses épaules. Et après? Ben après, j'ai plein d'autres astuces que j'ai trouvées dans un vieux livre. Dans un livre? Et après, c'est moi le ringard. Parce que tu vois, regarde, en tant que vilain, si les mecs se mettent à rire, c'est pas bon. Ah bah attends, parce que moi, on m'avait plus ou moins expliqué que le rire, c'est positif, et le pleur... Non, non, mais oui, en l'occurrence, oui, mais pas quand t'essaies d'être menaçant, tu vois. Là, pour le coup, si le mec, il pleure, c'est que t'as plutôt bien réussi. Là où c'est chaud, par exemple, c'est quand le gars, il pleure de rire ou qu'il rit nerveusement parce qu'il a peur, en fait. Et là? Ah bah là, je le frappe. Ah ouais? Ah bah tout de suite, j'aurais trop peur de me tromper. Et puis, sous la panique... Au fait, en parlant de se tromper, c'est quoi l'histoire avec l'homme sardine? Pourquoi il est encore sur notre liste d'ennemis? Ah ouais, bah en fait le truc c'est que je devais aller dans le bled du gars la nuit, rentrer chez lui et le buter discrètement. Ouais. Bah l'assassinat ça s'est plutôt bien passé, même carrément bien si on compte pas le passage où je me fais tabasser à coups de panier à champignons. Donc ça c'est l'odeur? Seulement voilà quoi, c'était pas le bon gars. Oh, sérieux? Bah le délire avec la nuit c'est que d'un coup on voit plus les numéros sur les maisons. Ah ouais merde. Putain, je vous raconte pas comment le doc était énervé quand il a découvert ça. Et là il veut que j'y retourne pour tuer le bon gars cette fois, j'ai pas intérêt à me planter. Mais du coup, le gars que t'as tué c'était qui? Un autre super-héros? Non, alors, en fait, il s'est avéré que c'était juste un gars avec un genre de maladie mentale. C'est pour ça qu'il était toujours chez sa mère, à son âge. Mais c'est vrai qu'en y repensant, il paraissait bizarre, même physiquement. Ah ouais, genre un syndrome de Down? Après, je connais pas les termes techniques. Bah tu vois, c'est marrant ce que tu m'as dit tout à l'heure sur le rire nerveux, là. Parce qu'une fois, j'ai failli tabasser un gars, mais pour presque rien, sous la panique, comme tu dis, quoi. Qu'est-ce qu'il avait fait? Sa montre s'était mise à sonner. Sur le coup, j'ai pas compris, mais ça m'a énervé à un point. Bah tu vois, ça je comprends. J'aurais fait pareil. Et encore, je me serais peut-être même pas retenu. En un sens, je pense que c'est ça ma force.
Et du coup, là, je lui réponds... Attends, ta gueule. Mais tu veux pas savoir ce que je lui réponds? Non. Regarde, là. C'est toute la suite de l'histoire, pourtant. Et... Mais regarde, je te dis, il y a quelqu'un qui arrive. Wow, il est bizarre. C'est qui? Je sais pas, mais chut, il arrive. Fais comme si de rien n'était. Moi, j'aime pas sa gueule. Mais chut! Dis-moi chut avec ton accent, encore une fois, toi. Ah, salut 18, salut 14. Oui. J'aime pas votre gueule. De quoi? Non, rien. Vous cherchez quoi? Comment ça, je cherche quoi? Parce que si vous cherchez la merde, je suis votre homme, hein. Moi, je suis pas chaud, mais si 18 attaque, je partirai peut-être en courant prévenir le doc. Alors méfiez-vous, hein. Bah, c'est moi, c'est 24, vous savez? Le gars qu'on appelle toujours le nouveau alors que je suis là depuis des semaines. De coup, waouh, c'est toi? Mais c'est quoi ce machin sur ta tronche? Enfin, pourquoi surtout? Ça? Mais c'est juste une casquette. Ouais, mais pourquoi surtout? J'en avais marre d'être comme tous les autres, alors du coup, je me suis dit que j'allais me trouver un petit signe distinctif. C'est vachement moche ton signe distinctif. Merci. La couleur, c'était obligé aussi? Non, par contre, je comprends pas moi. Les gens qu'on connaît bien, ils savent déjà nous reconnaître. Et puis bon, toi. Quoi moi? Bah toi, t'es bien celui qui a le moins besoin de se différencier quoi. Pourquoi ça? Mais différencier qui de quoi à la fin? Pourquoi il y aurait particulièrement besoin de nous différencier? Je comprends plus rien et ça me gave. Bah parce qu'on est tous des... Des quoi? Enfin, tu vois bien quoi, les visages tous identiques, tout ça. À part que tu ressembles à 14 vite fait de loin, je vois pas trop, non. Vite fait de loin? Waouh. Bah quoi? Mais qu'est-ce que j'ai, moi, à la fin? Non mais ta voix, t'es le seul qui en a une vraiment différente, quoi. Enfin, c'est connu, je sais pas. Comment ça? Je sais pas du tout de quoi il parle. C'est ton truc à toi, quoi. Je croyais que mon truc à moi, c'était soi-disant d'inventer des mots débiles, non? Bah, disons que c'est ton deuxième truc, alors. J'ai jamais dit qu'on en avait qu'un seul. 18, ma voix, elle est différente à ce point? Deux? On parle de ça depuis tout à l'heure. Je croyais qu'on parlait de celle de l'autre bozo avec son accent. Non mais voilà aussi, si tu lui demandes, j'ai un accent moi déjà, alors bon. En même temps, j'ai personne d'autre sous le coude. De toute façon, je suis sûr qu'au fond, tu jalouses mon signe distinctif parce que le docteur va plus concentrer son attention sur moi et tu seras plus son chouchou. N'importe quoi, je suis pas son chouchou, je suis son bras gauche. T'es jaloux. Parce que le doc, lui, va reconnaître mon initiative pour lui faciliter la vie en nous distinguant plus facilement. Nah. N'empêche que ça te fait quand même une vieille tête de con. Bonjour. Salut Bob. M'appelle pas comme ça, 14. Bien le bonjour, docteur Bonobo. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, tu fais du zèle? Non. Et vire-moi cette immondice de ta tête. Pas de signe ostentatoire au sein du QG. D'accord. Pas de chance, il a pas l'air de bonne humeur en plus. Ça va. Bon, bah une autre journée de boulot qui commence. Ouais, enfin, on fout pas grand-chose, faut dire. Niveau procrastination, on se tient là, quoi. Non, c'est vrai. Par contre, j'ai pas compris. On fait quoi, là? Là, on va en salle de réunion avec tous les autres. Pourquoi faire? Il y a Machin qui vient de revenir de mission. Il doit nous raconter avant de faire son rapport au doc. Machin? Ouais, enfin, j'évite de l'appeler par son prénom parce qu'il est chaud à retenir. Et quand je m'en rappelle, ça me fait trop rire et c'est gênant. C'est quoi son prénom? Frédéric. C'est lui. Je t'avais dit. Eh, hey, salut Machin. J'ai un nom, vous savez. Il met tout le monde mal à l'aise, ton nom. C'était bien, ta mission? Bah, c'était bien. Comme une mission, quoi. Bah, pas nécessairement. Moi, il y a des missions où tout se passe bien, et il y en a d'autres où je me fais mordre par des putois ou d'autres bestioles, et où je me prends des orties, donc ça dépend vraiment. Hein. Là, il n'y avait pas d'orties. Ou de putois. Putain, t'as dû te faire chier. Je suis passé à l'aéroport pour aller voir l'agent, et il m'a échangé, bien entendu, des... Mais, excuse-moi... Frédéric. Truc, voilà. T'étais où, en fait? Tu te fous de ma gueule, ça fait 10 minutes que j'en parle. J'étais parti en Hongrie. Ah ouais, voilà. Comme je sais pas où c'est pour ça. Du coup, j'ai laissé tomber cette partie-là. C'était un peu l'essentiel du truc, pourtant. J'ai pas trouvé ça hyper important, perso. Je peux savoir ce que je t'ai fait? Bah, rien. Je t'aime bien, moi. Ouais, alors moi, autant je suis pas très renseigné niveau localisation géographique, autant je dois dire que j'ai jamais entendu parler du lieu dont tu nous parles. N'y voit aucune atteinte à la crédibilité de ta personne, surtout. C'est qui, lui? Ah, lui, c'est 24, le nouveau. Je sais, il utilise des mots qui veulent rien dire, des fois, mais je vais le briefer, hein. T'inquiète pas, Alexandre. Tu m'inventes des noms, maintenant? Je sais pas, j'essaie de nouveaux trucs. T'aimes pas? Moi, je trouve que ça lui va bien. Mon nom, c'est Frédéric. Je vois pas pourquoi je changerais. Je peux te faire une liste, si tu veux. Merde. Ah, Frédéric, ça fait plaisir de te revoir. La Hongrie, ça s'est bien passé? La Hongrie, sans problème. J'ai tout ce que vous m'avez demandé. Il faut juste que je finisse mon rapport. En revanche, j'ai essayé de raconter la mission au clone et il n'était pas super attentif. Franchement, je suis obligé de faire ça à chaque fois. Ah oui, parce que bientôt je vais t'envoyer dans des missions plus importantes et tu vas devoir partir avec eux. Je sais qu'ils sont très cons, t'inquiète pas. Seulement, ils peuvent se montrer très efficaces. J'ai justement besoin de quelqu'un comme toi pour les guider et les empêcher de trop faire de conneries. Je pensais pas que vous m'attachiez tellement d'importance. Je tâcherai de ne pas vous décevoir, docteur Bonobo. Ouais, enfin, en même temps, il n'y a pas beaucoup de choix. Allez, moi j'ai des trucs à faire. Bon retour. Voilà, là. Attends une minute. Et souviens-toi, il ne faut plus que tu butes les gens chez eux. Bon, je suis même pas sûr que ça soit sa maison. J'arrive. Bonjour, j'aurais un colis pour monsieur... Ça sent pas le brûler ici? Non, enfin si, c'est le feu de cheminée. Il y a un feu dans la cheminée, parce que bah, c'est une cheminée, j'ai une cheminée chez moi. Je critique votre déco, moi. Le colis, c'est pour monsieur Duponçon. C'est formidable. Vous le prenez ou pas? Pff... Et vous savez que votre salon est en feu, là?
Je savais que cette pelle me serait utile un jour. Ah, 14, justement, je voulais te voir. Il faut que tu me parles de ta mission. Bah justement, j'en reviens tout juste. Vous venez encore écouter le récit de mes aventures ? Bah, c'est surtout que la dernière fois que je t'ai demandé de faire un rapport, tu... C'est quoi ça ? Un sac ? Oui, ça j'ai bien vu, mais un sac avec quoi dedans ? Bah des fraises, des tulipes, un furet, le gars que j'ai assommé tout à l'heure, un livre de cuisine sur les insectes, 3 kills de bowling et des champignons. De quoi ? Des pleurotes, je crois. Enfin, je dis ça, moi j'y connais rien en champignons. Attends, il y a un mec dans ton sac ? Et des fraises aussi, vous en voulez ? T'as fait rentrer un intrus dans le QG ? Bah ouais, les gars m'ont demandé de leur ramener un truc, alors du coup si vous bouffez toutes les fraises, ils vont m'en vouloir. Putain, à la sécurité, ils t'ont rien dit ? Bah 22, il est allergique aux fraises et puis il dormait les gars, je voulais pas les déranger. Bon, débarrasse-toi de ça. Oh, je peux le garder, dites, je peux le garder. Tu fais ce que tu veux, tu peux même l'exposer si tu veux. L'important, c'est que je veux plus voir ça. Et derrière cette cage, vous pouvez admirer un véritable spécimen humain en dehors du QG que j'ai récupéré après avoir assassiné le véritable homme sardine. 14. Puisque, comme je vous l'expliquais dans la salle précédente... 14. Oui. T'es au courant que t'as une fouine qui te bouffe le tibia et des mouches à viande qui pondent des œufs dans la blessure ? Alors, si vous le voulez bien, je répondrai aux questions à la fin. Ah, ok, excuse. Bon, maintenant, les questions. Par rapport aux mouches à viande. Eh, ton mec, il s'est réveillé ? Ah, bien vu. On en fait quoi, du coup ? Je sais pas, je vous avoue que je pensais qu'il était mort. On pourrait lui demander comment c'est dehors. Oh ouais ! Allez, pas con. Eh, machin, c'est comment, de là d'où tu viens ? Je sais plus qui je suis. Je sais plus d'où je viens. Tout ce que je sais, c'est que... Je m'appelle Jason Bourne. Il va bien, ton gars ? Je pense qu'il a un traumatisme cérébral. Je sais pas, dis, t'as un traumatruc machin bral ? Je sais pas. Tu sais pas ? Je sais pas qui vous êtes. Je sais pas ce que vous voulez. Mais je vous retrouverai. Et je vous tuerai. Bon, on en fait quoi, sérieusement ? C'est votre vie. Et elle s'achève minute après minute. On pourrait essayer de le torturer pour en savoir plus. S'il est amnésique, ça sert à rien de l'emmener en torture. Je mets les pieds où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Tu peux utiliser des mots que les gens normaux comprennent, 24 ? C'est quoi, les gens normaux ? Vous aimez bien les omelettes ? Bah nous. Je casse les œufs, moi. Les clones, quoi. Est-ce qu'on peut arrêter 10 minutes avec ces histoires de clones ? Ça saigne. On peut le tuer. Ouais, bon, d'accord. Enfin, vous pensez que quelqu'un va le chercher, ce type ? On sait qui c'est ? Vous avez pas affaire à l'élève. Vous avez affaire au professeur. Mais non, c'est qu'un facteur. Tout le monde s'en fout de lui. Pour survivre à une guerre. Non, bah on le torture alors. Il faut devenir la guerre. Hein ? Pourquoi faire ? Je sais pas, comme ça. Tuez-moi si vous voulez vivre. Ouais, il a pas tort. C'est pas tous les jours qu'on a un nouveau truc pour s'amuser dans le QG. On va pas se faire engueuler par le docteur Bonobo. Vous direz aux anges du ciel que vous n'avez jamais vu aussi nettement incarner le mal que dans l'homme qui vous a exécuté. Mais non, c'est bon. Il a dit que je pouvais en faire tout ce que je voulais. Si vous pointez encore ici. Vous pouvez être sûr de repartir avec la bite dans un Tupperware. Pas con, personne n'aurait un sécateur et un Tupperware. Je reviens, je vais chercher mon matos. Alors là, le gars, il saute en l'air, il sort son bâton de merde et il nous tabasse tous avec pendant un quart d'heure. Et c'est à quel moment que vous l'avez battu ? Ah mais jamais, il nous a défoncé. On a perdu 8 gars ce jour-là. Ah ouais, pas mal. Mais c'est horrible. Hein ? Putain, tu m'as fait peur. Préviens quand t'entres dans une pièce. Ça fait une demi-heure que je suis là. Ouais, t'es là, mais tu le vis pas vraiment. Mais pourquoi le gars, il a tué 8 de vos mecs ? Vous aviez fait quoi ? Bah rien, c'est le gentil, on est les méchants, c'est comme ça que ça marche. Mais ce héros-là, il existe encore ? Ouais, je crois qu'il tabasse des dealers et des racketeurs. Basique. Et vous avez pas cherché à venger les mecs qui sont morts ? Non mais c'est bon. Bon, c'est des hommes de main, on va pas faire un deuil à chaque fois qu'il y en a un qui se fait buter. Ils crèvent pour rien, ces mecs, de toute façon, une claque et ils sont à terre. Ouais, c'est clair. Mais les héros, ils sont pas censés protéger les gens et ne tuer personne ? Sauf les hommes de main, eux on s'en fout, je te dis. Mais bordel, t'es con, tu le fais exprès. Frédéric. Tu veux pas te mettre une pancarte avec ton nom ? Je comprends pas ce qui te dérange. Mais ça vous fait pas peur ? De quoi ? Bah, de mourir. Vous me dites que les hommes de main, c'est juste des mecs tous pareils qui se foutent sur la gueule et qui martyrisent les civils et servent de punching ball aux super-héros. Les mecs tous pareils, qui servent à rien, vous en faites pas partie ? Vous êtes des clones dans tous les cas, non ? Oui, mais nous, non. Oui, parce que... Voilà. Nous, on est essentiels. Nous, on est un peu le cerveau de tout le truc. Le docteur Bonobo, il peut pas faire tout seul. Il a besoin de gars autonomes qui gèrent un peu les mecs et tout. Lui, il fait ses plans et ses machins pour conquérir le monde. Et nous, derrière, on tâche à ce qu'il merde pas trop dans tous les sens et qu'il garde une bonne réputation de gars effrayant. Et puis si les gars, ils se font casser la gueule, c'est bien qu'on a une réputation. Le super-héros, il est content, il a défoncé du méchant, et derrière, on en parle dans les journaux et on apparaît comme une menace contre laquelle seuls les héros peuvent lutter. Comme ça, dès qu'on s'est débarrassé de ces connards en collant, boum ! C'était pas nécessaire de me cracher dessus. Désolé. Comme ça, donc, boum, on devient carrément terrifiant et on peut prendre le contrôle de la ville. Le pire, c'est que ça a du sens. Ben quoi, tu nous as pris pour des cons ? Tiens, Frédéric. Frédéric, ça va ? Je sais pas. Il vient de se passer quelque chose de très bizarre. Je crois que je suis pas bien réveillé. Qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es encore laissé embrouiller par les deux débiles ? Non, enfin oui, enfin justement. Je crois qu'ils ont dit des trucs pas cons. Bon, j'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. Hein. Bois un coup ou va te coucher, moi j'ai du boulot. Du coup, le mieux, ce serait que tu ailles le chercher demain à la première heure à l'endroit que je t'indiquerai. Et ensuite, tu le ramènes directement au QG en toute discrétion. D'accord. Qui ça ? Attends, mais tu te paies ma tronche ? Pardon, j'ai eu un moment d'inhalation. Inattention. Ça fait 2 jours que je te le répète dans tous les sens et que je t'explique qu'il faut que tu ailles chercher un super vilain qui veut rejoindre le QG pour nous aider à conquérir le monde. Mais quand vous dites un super vilain, c'est genre un super vilain comme vous ? Si on veut, oui. Wouah, là, ok. Trop classe. Et je vais le chercher... Demain, à Liverpool. En Allemagne ?
Il est marrant, lui, de me demander d'aller chercher quelqu'un dans une ville aussi grande. Il y a plein de monde, je parle même pas la langue, et en plus, on se les caille. Excuse me, sir. Yes. Would you mind telling me what time is it? Putain, qu'est-ce que je fais? J'ai rien compris. Oh, jeez, man. Ha, je vais défoncer les rotules à cet enculé. Fuck you. Attends, pourquoi j'ai fait ça déjà, moi? Bon, pas grave. Bon, en attendant, on s'amuse, mais je sais toujours pas comment je vais faire pour le retrouver, moi. On m'a même pas dit à quoi elle ressemble. Ne vous retournez pas. Ouais, ok, je me retourne pas, parce que votre voix est hyper effrayante, mais faut que vous sachiez que je suis un mec hyper flippant, moi, hein. Je fais des trucs pas nets, alors faites rien que je pourrais regretter, hein. S'il vous plaît. Vous pouvez la fermer 2 secondes? Bah, étant donné qu'on sait très bien tous les deux que ça fait un bon 10 minutes que je parle tout seul, c'est pas maintenant qu'il y a quelqu'un... La ferme. Oui, madame. On m'a dit que vous pourriez me conduire au docteur Bonobo. Mais, attendez, c'est vous le contact? Mais vous êtes... Une femme. Perspicace. Entrez dans ce pub au bout de la rue et asseyez-vous à une table. Je vous y rejoins dans 5 minutes. C'est bon. Ici, on est tranquille. Waouh, c'est vous le super vilain? Chut, parlez-moi fort. Votre tenue est vachement friolante. Mais taissez-vous, bon sang. Pourquoi? C'est pas parce que je le dis. Je pense que tout le monde l'a remarqué, mais sans déconner, vous avez pas froid? Vous voudriez bien être un tout petit peu plus discret. C'est quoi votre nom? Arsenic. Ça, c'est votre nom? Non, ça, c'est mon nom de super méchante. Mon vrai nom, c'est Victoria. Ah, parce que vous avez 2 noms? Bah oui. Vous croyez quand même pas que le docteur Bonobo s'appelle vraiment Bonobo aussi? Je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question. Je l'appelle Bob, il est ok avec ça. Oh. On y va comment au QG? Y'a un avion qui passe nous chercher à l'aéroport de Liverpool, là. Liverpool? Ouais. Super. À quelle heure? Ah, je sais plus trop, en fait. Sur le planning, ils avaient rajouté des lettres, pas les chiffres. C'était un peu le bordel, pour tout vous dire. C'était quoi le nombre? 7 heures. Bon. Je crois. Vous croyez? Mais c'était le bordel, je vous dis. Il y avait des lettres après, donc c'était peut-être autre chose. AM ou PM? Oui. De quoi, oui? Lequel? Je sais plus. Bon. De toute façon, il est bientôt 7 heures, on n'aura pas le temps d'aller à l'aéroport. On va attendre le matin. Faudra juste trouver un hôtel. On va dormir ensemble? Moi, je vais dormir dans un hôtel, parce que j'ai du fric. Vous êtes venu sans rien, je suppose. Donc vous dormez dehors. Mais il fait super froid, et puis on est des super vilains, on n'a pas besoin de payer. À demain. Ah d'accord, donc l'hôtel, on paye, mais le resto, c'est hors de question. Nick Chip. C'est rien, t'affole pas. Typique ni. Ouais, je sais, elle est pas mal celle-là, hein. Pitch nicked, filtrict. 14. Hmm? Putain, tu te rends compte que je suis obligé de courir dans les couloirs pour te trouver? T'en vois beaucoup des super vilains courir après leur sbire? Vous avez essayé de marcher vite? Commence pas à jouer au con, qu'est-ce que tu fous là? Je sens que si je réponds vraiment ce que je suis en train de faire, je vais encore passer pour un con et vous allez crier. Tout juste. Tu te souviens pas que t'avais un truc à faire? Ouais bah c'est bon, je l'ai faite la mission, j'en reviens juste là. Mais quand t'as fini la mission, tu te contentes pas de traîner dans les couloirs, tu viens m'amener ce que t'es venu chercher et tu me fais un rapport. Mais ça sert à rien, elle est même pas là la meuf. De quoi? La meuf que vous m'avez dit d'aller chercher. Alors déjà c'est pas une meuf, c'est un super vilain. Ouais bon d'accord, enfin votre super vilaine là, elle a pas voulu rentrer en même temps que moi dans le QG. Quand elle est sortie de l'avion, elle m'a dit qu'elle avait un truc à faire, alors je voulais pas la laisser partir, mais elle m'a menacé et elle m'a dit qu'elle viendrait plus tard. Non mais ça va pas là, t'es complètement con, c'est pas possible. Mais quoi? Mais il fallait qu'elle rentre à 11h ce matin, j'avais même dit à Gaët de vous laisser rentrer tous les deux. Si elle a été suivie, on fait comment? On délocalise le QG, c'est ça? Mais comment je pouvais savoir, moi aussi? T'as rien à savoir, tu te contentes de faire ce que je te dis. J'en ai marre d'avoir à nettoyer derrière tes conneries, 14. Maintenant casse-toi, je veux pas revoir ta tronche aujourd'hui. Putain de con! Eh ben, tue-le. Hein? Y'a quelqu'un? Évidemment y'a quelqu'un. Tue-le. Mais t'es là, toi? Ben oui, je suis là. Qu'est-ce que t'attends pour prendre le dessus et te débarrasser de tous ces cons? Déjà, de la part de quelqu'un qui donne pas de nouvelles depuis 5 ans, je te trouve bien véhément. Et puis si je devais me débarrasser de tous les cons, il me reste à plus grand monde. Bah au moins lui alors. Qui ça lui? 14. Tu le tues, ça montre l'exemple aux autres parce que c'est un peu ton bras droit. Et comme ça, t'as plus à supporter ces conneries. Non. Quoi non? Bah non, déjà c'est pas mon bras droit et puis je tuerai pas 14. Non mais pourquoi? Parce que je tue pas 14, c'est tout. Je garde quand même un peu de ma morale, 14 et moi on a dû passer, je peux pas me résoudre à le buter. En tout cas, prends les choses en main. Et vite. Rappelle-toi que c'est grâce à moi que t'en es ici. Et que si tu te décides pas à remettre de l'ordre vite, c'est moi qui vais devoir le faire. Et ça fera plaisir à personne.
C'est retenu ? Ok, ok, c'est bon. Ok, qui ça ? Ok, Docteur Bonobo. Mais qu'est-ce que tu foutais en fait ? Je commençais à croire que t'existais pas. J'existe pas ? Ouais, enfin c'est une question de point de vue, moi je trouve que t'existes beaucoup là. C'est parce que t'es fou. T'étais parti où ? Je peux pas vraiment partir très loin si t'y réfléchis bien. Je pensais juste que t'avais plus besoin de moi. J'ai eu tort. J'ai pas besoin de toi. C'est pas ce que tu disais. Écoute, depuis... Docteur Bonobo ? Vous parlez tout seul ? Je t'ai dit de te casser, 14. Je suis désolé de vous avoir encore déçu, Docteur Bonobo. D'accord, casse-toi. T'es vraiment pas joueur. Non, c'est pas les pick-pings, c'est... Les pique-niques, les... Pardon ? Les pique-niques ! Bonjour. Ah ! J'ai réussi à le dire ! Ça va ? Je rêvais que j'arrivais pas à dire un mot, sauf que d'un coup j'ai réussi à le dire et dans l'enthousiasme, ça m'a réveillé. D'accord. Que puis-je faire pour vous ? Vous êtes... Bonjour ! Vous êtes le gardien des portes ? Oui. Ah, alors... Enfin, non. Vous n'êtes pas guette ? Si, si, tout à fait. Simplement là, c'est n'importe quoi. Vous m'avez pris complètement au dépourvu. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave, mais là, faut tout refaire. Refaire quoi ? Bah, l'introduction, les présentations, tout ça. Là, ça ressemble à rien. Mais qu'est-ce qui ressemble à rien ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse toute notre rencontre depuis le début, mais cette fois de manière à ce que ça ait un peu plus de gueule. J'ai des quotas, moi. Ah, d'accord. Vous êtes complètement taré et con. J'ai pas le temps pour votre numéro. Laissez-moi entrer. On va faire ça à ma façon, étrangère. Qu'est-ce qui m'empêche de vous casser la gueule et de rentrer du coup ? C'est moi qui ai les clés. Bonsoir, je suis Get, gardien des portes du quartier général du docteur Bonobo. Je sais. Exactement. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir les portes ? Je suis Get, gardien des portes du quartier général du docteur Bonobo. Et ça c'est pas rien, alors vous pouvez faire un effort pour poser votre question d'une manière un peu plus dramatique s'il vous plaît ? Non. En effet, jeune femme, je suis le seul de tout le QG à savoir manier les mécanismes des portes principales. Ceci est la seule chose que je sais faire et je la fais mieux que n'importe qui. Ah ouais ? Parfaitement ! Montrez-moi alors. Vous montrez quoi, ville perfide ? Ville perfide. Ne croyez pas que je n'ai pas vu dans votre petit jeu. Vous voulez que je vous montre comment j'ouvre les portes pour apprendre de mon expertise et me voler ma place ? Non, je voudrais rentrer dans le QG. Et c'est moi qui ai les clés. Je suis Gate, gardien des portes du et quartier. Merde. Pas besoin d'être grossière, mademoiselle. Quel est votre nom, civil ? Victoria. Et je ne suis pas une civile. Votre nom n'est pas sur la liste, je crains. Quelle liste ? Ne changez pas de sujet ! Qui vous envoie ? Le docteur Bonobo. Ah mince. Vous connaissez le nom de mon supérieur et vous prétendez qu'il vous envoie ici même pour que je vous ouvre officiellement les portes du quartier général ? Donc vous allez m'ouvrir ? Voyez-vous, ça me dérange. Pourquoi ? Le docteur Bonomo m'a spécifié particulièrement de ne pas ouvrir aux civils. Mais c'est vous qui dites que je suis une civile. Bon, regardez ce qu'on va faire. Je vais être Clément. Ah bah merci. Ne m'interrompez pas, Felon. Ou Joxy. Je vais être Clément. Je vais taire votre nom, le docteur Bonobo n'aura aucune idée que vous êtes passé par ici et vous pourrez repartir sans relâche. Évitons ainsi tout malentendu. Partir sans relâche ? Exactement, je vous libère, Grise de Néléron. Mais ce que je veux, c'est rentrer. Voyez-vous, ça me dérange. Je vais vous casser la gueule. Je vais le dire au docteur Bonobo. Il faudra ouvrir les portes. Mince ! Et vois-tu, c'est pour ça, mon petit Romdiol, que la violence n'est pas toujours merde au raisonnement. Mon père m'a un jour dit « Get, c'est un prénom de merde, j'aurais préféré t'appeler Alain ou Richard. » Et ça mène à une partie intéressante de mon enfance où... Vous parlez à un pigeon mort ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Le pigeon mort. Vous êtes pas parti, vous ? Faudrait déjà que je puisse rentrer dans le QG, espèce de... Écoutez ! Vieux connard qui sent j'ai une idée. Fleur, je vous écoute. Et si vous demandiez au docteur Bonobo une dérogation pour que je vous laisse entrer dans le QG ? Pour ça, il faudrait que je puisse rentrer. Tout juste. Ok, ouais, bougez pas les gars, hein, je reviens. Y'a quelqu'un ? Chut. Bouge pas. Courant. Putain, mais il me lèche la main, le con. Tu m'as pas laissé beaucoup de choix, mais qu'est-ce que tu fous ? Espèce de connard. Pardon, vas-y. Je m'entraîne. Tu t'entraînes d'être complètement con ? Je croyais que c'était naturel pour tout le monde ici. Hop, on se calme, officier. Vous vous trouvez dans un secteur sécurisé. Gardez votre verre dans votre poche et déclinez votre identité si vous ne voulez pas en saisir l'acuité. De quoi ? Votre nom, monsieur. Toi, ton nom, monsieur. Agent spécial 14, force spéciale. Hein ? C'est possible, ça ? Quel est le problème, officieux ? Bah, c'est mon nom, 14. C'est pas possible qu'on soit deux. Y a jamais deux fois le même nombre dans l'alphabet. Nous ne sommes pas du même département. Vous êtes 14, je suis l'agent spécial 14. Bah, c'est clair que t'es spécial. Et c'est super chiant comme tu parles. Tu peux me laisser passer, du coup ? Le secteur auquel c'est vous chiant. Et en plus, ça fait doublon. On a déjà guette pour ça. Vous pouvez juste me montrer votre carte d'unité des forces spéciales pour que je puisse vous laisser passer. Ah bah, fallait dire tout de suite. Alors attends, carte de chef de la propagande, carte de garde du corps du docteur Blombo, c'est pas ça. Carte de visite, carte d'accès à l'ascenseur. Garde à vous ! Hein, quoi ? Ah, salut Doc ! Salut 14. Donc lui, il peut passer comme ça. Carte de responsable sanitaire, carte de chef des scouts, carte de bras droit vicieux, cartographie des centres et relais des eaux usées, carte d'assurance maladie, ah, c'est pas la mienne, carte de bibliothèque, plus genre à droite. Là ? Non, plus à gauche maintenant. Comme ça ?
À gauche pour voir? Donc on est d'accord que ni toi ni moi on reconnaît la gauche de la droite et que si depuis tout à l'heure je tombe juste, c'est vraiment juste par chance. Là t'aides pas du tout en clair. Et si je fais des gestes comme ça, ça aide? Non, clairement pas. Tu mets pas du tien là? Non, bah fais-le toi. Je m'en fous moi, c'est tes meubles. Je peux te guider moi. Non mais c'est bon le bureau. Tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Tire l'armoire là. Tire-la toi, je te dis si t'es bon. Non mais moi j'en peux plus là, je bouge plus rien. C'est à toi de le faire. Ok, ok, c'est bon. Celle-là? Ouais, vas-y, tire-la. Ok alors. 1, 2. Aïe! Putain, ça fait mal! Qu'est-ce qui t'arrive? Ah putain, ah, je crois que je viens de me claquer les tangentielles. Ah merde, putain, ça va? Ouais, enfin là, je vais pas pouvoir continuer, j'ai trop mal. Attends, mais les tangentielles, ça existe ça, anatomiquement parlant? Ah bah, non, mais ça sonne super vrai comme nom de muscle, et du coup, quand j'ai pas envie de faire un truc, ah bah, je dis que je me suis froissé les tangentielles, et les gens ils osent pas demander pour pas paraître con, et du coup, je suis tranquille. Attends, t'es sérieux là? Ouais, le répète pas, c'est un peu mon échappatoire ultime. T'y vas pas? Tu déconnes, pas avec des tangentielles endommagées? Vous pouvez arrêter de me fixer comme ça? Bonjour. C'est qui? Voilà, donc, moi je serais plutôt parti sur du bonjour, c'est ce qu'on appelle la politesse, 24. Ah ouais, on m'en avait parlé, mais la politesse c'est quand on est l'hôte, or là c'est ta chambre. Et je m'en fous, je veux savoir, alors je demande, c'est qui? Alors, si je peux me permettre, moi c'est Victoria. Je suis une nouvelle alliée du docteur Bonobo, je vais m'installer au QG pour faire partie de l'équipe. Je sais. Ouais, c'est pas uniquement à vous que je parlais. À nous? À toi. Moi je comprends plus rien. Et que nous vaut l'autre visite? Que nouveau votre visite? Ouais. J'ai rendez-vous demain avec le docteur Bonobo pour qu'on parle de plans et de projets. Et j'aurais aimé savoir s'il y avait quelques trucs à connaître sur lui avant. Oh, vous? Vous avez besoin de visiter le grenier? Attends, et si c'était une taupe? Si c'était une taupe, elle aurait creusé une galerie. Elle aurait pas fait chier Guette pendant 2 heures. La salle là-bas, à côté des fioles, c'est là où il y a tous les costumes des super-héros qui l'a terrassé. Je vous déconseille d'y aller. Moi, personnellement, tout ce qui est collant et couleur vive, ça me met mal à l'aise avec ma virilité. Mais attendez, c'est incroyable le nombre d'objets qu'il y a là. Ça fait combien de temps que vous entassez tout ça? Ah bah, depuis que le QG existe, moi je suis celui qui a ramené le plus de trucs ici. Ça va être ma 246e mission, et à chaque fois j'essaie de ramener des bibelots. Mais bon, après les gars veulent pas toujours les garder. 246? Et t'es toujours aussi fidèle envers le docteur? Ouais, mine de rien, 14 il a son importance dans la baraque. Et c'est quoi ce truc gigantesque? Là-bas? C'est un pilier de soutènement. Non mais, derrière, sous la bâche. Ah, ça c'est l'écran géant à travers lequel le docteur envoyait ses messages de menace. C'est une relique ce truc, il l'a fait faire presque en même temps que le QG. C'est mythique. Et pourquoi il est là? Il n'y a pas hyper longtemps, il y a une mission qui a échoué. Les super-héros nous ont pris de court et ils ont tout fait capoter. Le doc est devenu complètement fou et s'est mis à hurler et à casser plein de trucs dans le QG. C'est juste l'écran qui s'est brisé, mais on n'a jamais essayé de le rallumer. Et on l'a décroché pour le mettre ici. Personne n'a osé y retoucher depuis. C'était pas la mission où vous avez laissé s'enfuir l'homme sardine? Oh, ça va, hein. En tout cas, c'est un vrai bonheur de vous avoir parmi nous. Ça fait longtemps qu'on entend parler de vous, vous savez. Oh, vous savez, vous pouvez me tutoyer, docteur. Je n'oserais pas, Victoria. Vous m'accordez donc autant de respect? Non, mais soyez pas ridicule. Je tutoie déjà les connards, là. Les numéros, 14 et toute sa bande, là. Donc voilà, si je les tutoie eux et que je vous mets à leur niveau alors qu'ils sont là, ils n'auront aucune idée à la atteindre. Rendez-vous compte de ce que c'est pour eux. Vous êtes là depuis 3 jours et j'ai déjà plus de respect pour vos faits d'armes que pour les leurs. Ils se poseront bien des questions. Oui, bon, bah, on peut espérer, hein. Mais racontez-moi plutôt, vous apparaissez de nulle part et ça fait 6 mois qu'on n'entend parler que de vous. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être dans le crime? Je ne sais pas bien si je peux vous en parler. Bon allez, on est entre nous et mes hommes n'ont pas de secret pour moi. Bien, je... Hé hey Doc! Je dois y aller, je... désolé. Mais... Putain, mais qu'est-ce que tu fous là toi? Tu devrais pas être aux portes? Bon. Non mais là, il y a les gars qui ont fini le truc. Le truc? Mais quel gars? Mais les ingénieurs là, ils ont fini le truc géant que vous avez demandé et ils l'ont foutu dans la salle. Ils vous attendent pour l'essayer. Bon, quelle salle? La salle du truc géant que vous avez demandé. Putain! Bon, bah ça tombe bien ce truc. Y'a quelqu'un? Bon, comment ça s'allume ça maintenant? Allumation. Bon, c'était pas loin. Initialisation et configuration de du Tanacor 9000. Bien! Reconnaissance vocale activée. Bonjour, docteur Bob. Putain, j'aurais dû m'en douter. Veuillez poser votre question au Tanacor 9000. Bon, on va faire quelques essais. Quelle est la capitale de la France? La capitale de la France est Paris. Pas mal, pas mal. Comment tu réagis au paradoxe, mon gros? Quelle est la capitale de Madrid? Et merde. Mot de passe accepté. Abraham Nostradamus Lincoln en 1762. Oh putain, merde. Quelle est la température extérieure? La température extérieure à l'ombre d'un peuplier de Malaisie méridionale exporté à Bordeaux un 30 décembre d'une année non bissextile est en moyenne d'1,5 degré. C'est déjà ça.
Bon, as-tu des informations sur Victoria ? 34 informations trouvées. Des informations pertinentes. 12 informations trouvées. Suffit d'être précis. 10 des informations sont fausses. Bon, j'abandonne. Victoria, alias. Allô ? Cyanure. Oui. Est née à... Non, 14, ferme-la. Il faut que tu me passes les ingénieurs. Les ingénieurs. Oui, c'est la machine derrière. Non, elle bug pas ta gueule. Passe-moi les ingénieurs. Les mecs avec des blouses. Oui, eux. Merci. Oui, ils ont aussi les mains calleuses, si tu veux. Passe-les-moi. Merci. Allô ? Putain, oui, 14 ? Ça, c'était 24. Mais je sais pas s'il a les mains calleuses, 24. Qu'est-ce que je m'en fous ? Bon, tu sais quoi ? Laisse tomber. N'entre pas dans la composition du vêtement de Victoria. Victoria fait du 95D depuis ses 17 ans. Non mais ce gars sans rire, il m'inquiète. Gates, c'est pas le mauvais gars, mais on essaie de pas trop l'emmerder. Il a des réactions assez imprévisibles. Imprévisible ? C'est pas le mot que j'emploierais. Mais d'où il vient en fait ? Oula. Non mais, c'était pas pour être méchante, hein ? Ah non, mais c'est parce que je sais pas du tout en fait. Salut 24 ! Hé les gars, c'est énorme, le doc m'a appelé, il a pété le truc qui répond au machin. De quoi ? Je retourne voir, il va se faire défoncer. Le doc ? Mais par qui ? Ben par le... Putain, tu fais vraiment chier 14, allez viens ! Victoria, alias... Cyanure est née à Neuilly-sur-Seine un 12 septembre 1982. Victoria n'a aucune origine russe. Victoria n'a jamais eu son bac. L'armée russe n'a jamais désiré engager Victoria. L'armée russe n'a jamais eu son bac. Le colliceto passé de potassium inerte n'entre pas dans la composition des vêtements de Victoria. Victoria fait du 95B depuis ses 17 ans. Victoria est attirée par le numéro 14. Victoria souffre d'une grave allergie au cyanure. Victoria ne tue pas pour le plaisir durant le jour du Seigneur, mais par conviction. Victoria est incapable de se toucher la langue avec le nez. Victoria n'est pas certaine de connaître la température anale d'un enfant en bas âge. Victoria est fan de Madonna depuis ses 18 ans. Victoria est l'auteur du mot panarabracadabrantesque, un mot valise composé de panarab et abracabrantesque, mais est incapable de prononcer son propre mot. Victoria est issue d'une famille de puissants propriétaires terriens. Victoria souffre d'allopophobie, la peur maladive des personnes chauves. Victoria a perdu sa virginité à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Victoria peut uniquement faire l'amour sur la chanson Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Victoria, 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 Victoria. Victoria s'est longtemps battue contre les droits de la femme. Victoria a appris à tuer dans un camp d'entraînement pour obèses. Victoria ne possède pas le permis de conduire. Victoria est décédée à l'âge de 12 ans, de cause inconnue. Victoria ne sait pas prononcer les 13 premières syllabes de son prénom. Grishka, la mère de Victoria, est la première femme à être allée dans l'espace, congelée d'une grande surface russe. Fin de la liste des informations pertinentes trouvées sur Victoria. Hé hé hé, les enfants, vous voulez rencontrer un ami à moi ? Dites bonjour à Monsieur Fœtus ! Non, 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 on joue pas avec la nourriture ! Ah, salut 14 ! Ça va pas ? Qu'est-ce que tu manges ? Ça, je sais pas, je l'ai trouvé sur le fauteuil. Ah, c'est le cuir du fauteuil. Il y a quelque chose qui te tracasse, 14 ? Bah, c'est que je dois partir en mission pour buter un gars pour le docteur Bonobo, et comme la dernière fois ça s'est mal passé, j'ai peur de le décevoir encore. Je crois que ça m'empêche de dormir. Allez, ça peut pas se passer plus mal que la fois où 23 a appelé la police alors qu'il était en train d'assassiner quelqu'un. C'était moi, ça. Ah, merde. Bon, allez, t'inquiète pas, si tu veux, je peux t'aider à te préparer pour ta mission. Ah bah, c'est gentil de ta part. Et flippant, du coup. Comment ça ? Bah, quand on s'est rencontrés, tu m'as fait dormir dehors et t'as essayé de me noyer pour me réveiller. Oui, non, mais on venait de se rencontrer, je te connaissais pas bien. Sur le retour, t'as décroché la hanche en plastique d'un vieux pour qu'il tombe sur mon chemin et que t'aies le temps de me semer. Oui, mais bon, à ce moment... Bah, une fois dans l'avion, tu veux de l'aide ou pas ?
On récapitule. Ok. Donc, si le mec dort, tu... Le réveille pas. Tu... Le tue dans son sommeil, mais de manière diabolique. Bien. Et si le mec est réveillé ? Je me sers de mon environnement pour remplir la mission, et seulement en remplir la mission. Voilà. Faire tomber un meuble sur l'homme sardine, c'est... Bien. Oui. Et prendre le téléphone pour le dénoncer, lui et sa grand-mère, à la police, c'est... Pas bien. Ah bah, je suis contente. Tu as bien écouté mes conseils. Tu n'as plus qu'à te tenir prêt à toute éventualité. Tu réussiras à te souvenir de tout ce que je t'ai dit ? 14. J'ai trouvé de la moisissure. Touche pas à ça. Tiens, Victoria. Bonjour, docteur Bonobo. À qui vous parliez ? Personne. Je parle toute seule. Je suis un petit peu folle. Comme tout le monde, oui. Et ça bouge. Vous avez besoin de quelque chose, docteur Bonobo ? Oui, en fait... Victoria ! Y a pas quelqu'un qui vous appelle, là ? Non. Victoria ! Ah, si, y a quelqu'un qui vous appelle, là. Oui, bon bah, je réponds pas. Ah, bon... oui, donc je disais, j'aimerais qu'on parle des projets et de vos prochaines missions de cette semaine, si vous avez un peu de temps. Oui, bien sûr, quand vous voulez. Mais excusez-moi, j'ai affaire. En tout cas, merci pour ton aide. Je pense que ça va vraiment m'aider. Mais ça me fait plaisir, 14. Tu sais, j'ai vraiment apprécié ce moment avec toi, et je trouve qu'on passe pas assez de temps ensemble. Je commence vraiment à t'apprécier. N'en dis pas plus, 14. Embrasse-moi. Oh putain, le cauchemar! Putain, Victoria, t'as pas vu 14 ? Non, pourquoi je l'aurais vu ? On doit le planquer toute la journée pour pas qu'il fasse honte au docteur. Mais il est introuvable. Je crois que faire honte au docteur, c'est trop tard, non ? Oui, non, mais l'autre docteur. L'autre docteur ? Quel docteur ? Le docteur Sharp. C'est un vieil ami du docteur Bonobo. Il paraît que c'était un très grand super vilain il y a pas si longtemps, mais personne sait ce qui s'est vraiment passé. Et là, du coup, il vient aujourd'hui, et le docteur Bonobo veut pas qu'il voit qu'un de ses hommes de main principal est aussi... Eh, bah 14 quoi. Pourquoi le docteur Bonobo le respecte tant que ça? Bah écoute, à ce qu'on raconte, il attends, paraît attends. Tu veux dire qu'il y a un mec dans le QG autre que le docteur Bonobo qui soit pas... Un énorme connard? Ouais. Le mieux c'est que tu le rencontres. Oh, docteur Sharp. Bonsoir. Bonsoir docteur Sharp. Je suis très heureuse de vous rencontrer, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis la main droite du docteur Bonobo, je suis... Je vois surtout que vous êtes une... Une femme ? Vous comptez me faire un discours féministe ? Pardon ? Non, parce que comme on vient de se rencontrer et que vous avez eu vent de mon renom et de mon importance ici, vous ne voudriez peut-être pas me faire une mauvaise première impression. Ce serait de mauvais ton. Disons que d'une manière générale, je me contrains à une espèce de confort acquis de fait d'armes. Excusez-moi, je... Dans l'ensemble ? On graviterait autour de la caricature du personnage froid, et relativement misogyne, voire misanthrope en général. Mais on est tous là pour une raison. Et fatalement, tout ce que vous pouvez avoir raconté sur vos exploits, votre condition ou votre tambouille de ce soir, suscite en moi un profond désintérêt, allié d'une tristesse, de me trouver ici face à vous, ou plutôt déjà ici, et en plus face à vous. Vous pourriez avoir envie de revoir, format court, ce que vous comptiez dire maintenant que vous avez 10 secondes. Non pas que je me ferais pas un plaisir de discuter avec vous de vos complexes liés à cette enfance torturée en ex-US. RSS, je préférais simplement vous le demander. Non, parce qu'il serait dommage que nous partions du mauvais pied. Du coup, vous me dites... Bien, tout d'abord, je... Temps écoulé. Vous pouvez m'indiquer où se trouve le docteur Bonobo ? Dans son bureau, au tout dernier étage. Ah, quelle banalité. 2 minutes. Non, je rentre. Ah, Sharp, entre. Comment tu vas, mon vieil ami ? Ouais, bon mollo sur les contacts physiques, hein ? Pardon, j'oubliais. Ça a l'air de bien marcher pour toi, dis-moi. T'as bien changé du temps où on t'appelait juste... Oui, bon ben, c'était une vieille époque, on n'a plus besoin d'en parler. Qu'est-ce que tu deviens, toi, alors ? Ça fait un bout de temps qu'on n'entend plus parler, toi, dans le milieu. Ah, j'ai eu quelques problèmes à l'époque, à cause d'un vieux justicier à la con qui se prenait pour je ne sais plus trop quel batracien. Du coup, j'ai fait une pause et je suis resté dans l'ombre pour pas faire de vagues. Mais je compte bien revenir en force avec un tout nouveau QG. Eh ben, ça fait plaisir à entendre. Mais tu repars quand, du coup ? Ah, mais je pense que je vais quand même rester là quelques temps. Comment ça ? Non, je dis que je vais rester là quelques temps. Non, pardon, je comprends pas. T'as pas dit que t'avais un nouveau QG ? Dans l'idée, oui. Mais en attendant, je me suis dit que tu m'hébergerais. Ça sera court. T'héberger ? Non, mais attends... Oui, allez, moi je file. À l'envoyure. Mais attends, tu restes combien de temps ? Pas de problème. On fait comme ça, t'hésite pas. Ah tiens, 14 ? Oui. 14. Vous allez bien ? Ça va. Tiens d'ailleurs, dis-moi, tu te souviens du docteur Sharp ? Grand, sombre, parle beaucoup. Désolé, je... A aucune raison d'être là, fait chez tout le monde. Ah oui, lui. Voilà, lui. Bah quoi ? Il a pris ta chambre et il a viré tes meubles. De quoi ? Bon, ben j'y vais moi, hein, j'ai du boulot. Ah mais non, attendez, mais je fais quoi moi ? Voilà exactement, démerde-toi. Sérieux ? Tu feras gaffe, il est de mauvaise humeur. Bon, allez, je me lance. De toute façon, qu'est-ce qui peut bien m'arriver ? Bonsoir. Bonjour. C'est pour ? Alors, ma chambre ? Quelle chambre ? Ah bah, ma chambre, pour le coup. Ça devient vite très long avec vous autres. Bon, je vais faire simple. Il semblerait, avec tout le respect,
que vous soyez en ce moment dans ma chambre. Ben, il semble de toute évidence, et après étude, que tu vas devoir aller te chercher une autre chambre dans le QG si tu veux pas te retrouver avec des copeaux de porte plantés dans le visage. Ah bah tiens, c'est bien ce que je me disais. Je vous aime pas, vous. Non mais je veux dire, c'est vraiment ma chambre, en fait, avec toutes mes affaires dedans. J'en ai pas d'autres. Alors il s'agirait à toute fin pratique de récupérer tes affaires dans les ordures afin de procéder à une transition de chambre, parce qu'il est hors de question que je bouge d'ici sous les ordres d'un sous-fifre. Attendez, dans les ordures? Et puis je suis pas du tout un sous-fifre, moi, hein. Je suis même carrément placé dans la pyramide. Enfin, pas une vraie pyramide, hein. Mais vous avez très bien compris. Ben alors, tout semble indiquer que tu vas devoir aller te servir de ton... Non mais attendez, vous faites quoi ici? Pardon? Ouais, vous êtes un super vilain, non? Vous avez pas votre propre QG et des trucs à gérer? Ah mais attendez, le doc, il veut juste pas vous donner de chambre, en fait. Alors déjà, j'ai pas besoin de l'aval de votre docteur Bonobo pour avoir une chambre. Pas besoin d'avaler quoi? Vous ferez gaffe à l'eau des toilettes, elle est pas potable. Connard! Hey Doc! Ouais, c'est-à-dire que j'ai pas trop le temps, là. Pas de problème. Juste, par rapport au gars, on fait quoi, en fait? Le gars... Quel gars? Bah, je sais pas, vous nous avez pas demandé de vous ramener un gars? L'homme scarabée, une connerie comme ça? Ah, bah, si, mais je pensais pas du tout que vous le feriez, en fait. Bah, on a fait comme vous avez demandé, quoi. Attends. Le gars, vous l'avez capturé, et vous l'avez amené jusqu'ici le jour même où je vous le demande. Bah ouais, on vous l'a attaché, du coup. Bon, moi, j'y retourne, hein, on a réunion. D'accord. Bah, merci, 14. Donc là, en gros, si je résume... Ouais. Vous allez me faire descendre avec une chaîne dans ce bassin rempli de piranhas, là. C'est ça. D'accord. Alors, je tiens juste à vous dire que c'est très cliché, hein. Limite, has-been. Et puis, je peux vous demander pourquoi? Parce que je suis méchant, peut-être? Ouais, c'est pauvre comme raison, hein. Quoi? Vous voulez quoi? Ah, moi, rien de particulier, hein. Juste, vous me diriez que vous faites ça par vengeance, comme la plupart des gars, ou mieux, que vous cherchez à détruire la société depuis des profondeurs, ou un truc comme ça, là, je dis pas. À ce moment-là, je sais que le gars que j'ai en face de moi, c'est pas un rigolo. J'ai l'air d'un rigolo? Non, mais dans l'ensemble, non. Mais là, tout de suite, bon, ça fait pas très sérieux. Regardez, vous, par exemple, votre truc, c'est conquérir le monde, c'est ça? Oui. Voilà, bon, bah, pourquoi? Oui, bon, bah, j'ai pas le temps de vous expliquer, donc vous crevez et je me barre. Ah! Bon, quoi? Bah, excusez-moi, mais c'est pas hyper emballant, hein. J'imaginais juste quelque chose qui colle plus avec l'aspect super vilain, quoi. Genre, vous m'expliquez tous les tenants des machins pour lesquels vous faites ça, vous mettez la poulie à tourner, vous vous barrez avant pour me laisser le temps de me barrer et puis de vous casser la gueule. Enfin, d'habitude, c'est un peu comme ça que ça se passe. Parce que là, si je me barre, vous savez comment vous enfuir. Non, mais soyez pas aussi pragmatique aussi, je vous dis que c'est pour le symbole. Forcément, si vous prenez tout au premier degré... Non mais d'accord, mais moi je fais quoi si c'est les gentils qui gagnent à chaque fois? Et puis les symboles, je veux bien, mais vous avez une idée de combien ça coûte un bassin piranha? Maintenant il est là, j'ai rien prévu d'autre pour les nourrir, moi. Ah, parce que vous tuez des gens, mais vous vous refusez de laisser vos poissons avoir faim? Ah, et puis pourquoi je discute, moi? Ah, bonjour docteur, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, je butais le type, là. Et comment ça se fait que vous sortiez que maintenant? Ça vous prend beaucoup moins de temps d'habitude? Je sais pas, je comprends pas grand-chose à ce qui se passe en ce moment. Ouais, enfin tu pourras pas faire ça à chaque fois. Faire quoi? En faire croire au docteur Bonobo que tu viens de capturer un mec alors que ça fait des mois qu'il traîne dans la prison. T'as de la chance qu'il vérifie pas. Mais t'es sûr que ça a marché? Mais oui, je suis sûr. Il est sorti de là, il avait l'air complètement déboussolé. C'est pas drôle. S'il avait gaulé que t'avais pas capturé le gars, il t'aurait sûrement... Nous aurait. Attends, je suis pas chien, je lui ai dit qu'on y était allé à plusieurs. Et en plus, comme ça, c'est plus crédible. De quoi? Bah ouais, je m'attribue pas tout le mérite, quoi. Mais t'es complètement con. Donc toi, si j'ai bien compris, hein, quand tu prends le risque de te faire buter, tu fais bien attention de pas te faire buter tout seul si ça foire. Oui... Non... Mais c'est pas possible, un abruti pareil. Putain, mais courez vous deux! Mais on fait que ça! C'est facile à dire pour toi avec tes jambes de femme, t'es biologiquement constitué pour fuir! Je suis pas sûr que ça soit vrai, ça! Fermez-la et courez, ils vont nous rattraper! Montez! Hein? Non, pourquoi? Mais si, montez, putain, ça va être marrant! Fais chier! En tout cas, c'est hors de question que tu conduises, bouge! Et sinon, pourquoi t'es pas en train de garder les portes, toi? Bon allez, ça suffit, moi je vous aide et je me fais déjà juger, je me barre! Mais non, reste là, sois pas con! Rien à foutre! C'est pas moi qui le cherche de toute façon, démerdez-vous! Ah putain, mais elle la change jamais, les salopes! C'est des femmes? Non, mais il parle d'eux au féminin pour diminuer le potentiel viril de l'adversité et ainsi de suite. 24, c'est pas le moment là! Ouais, arrête de dire des trucs, t'es chiant! En tout cas, ils sont coriaces, les mecs! Tu m'étonnes, je suis pied au plancher là! Mais merde, pourquoi nous suivent ces abrutis? Mais attends, t'es débile ou quoi? Tu vois bien que c'est des keufs! Des keufs? Tu sais pas ce que c'est un keuf? Ah la vache, ça craint! De quoi qui craint? Bah, keuf, ça doit plus dire depuis 2004 au moins! Et la vache, tu veux qu'on en parle? Vous allez la boucler, j'essaye de me concentrer! Non, mais attends, en plus on a peut-être de braquer une bijouterie, mais on a rien pris quoi! Pourquoi ils nous collent comme ça? C'est vrai ça? Vous croyez que ça a quelque chose à voir? Avec le moment où vous avez commencé à tabasser la moitié des otages. On a paniqué. Wow.
crois que mon cerveau vient de frapper contre mon crâne. Parce que c'est possible ça. Pourquoi c'est elle qui conduit en fait? Pourquoi t'as ton permis toi? Non mais si tu poses ce genre de questions aussi. Je vois pas forcément le rapport direct en plus. Mais faites quelque chose à la place de parler, vous pouvez leur jeter un truc, je sais pas. La peau de banane de 24. Putain, le toc veut pas qu'on bouffe dans la bagnole, vous le faites exprès? Mais non, bande de tarés, un truc plus gros. Genre la banquette arrière? Ouais, tu dis ça parce que t'es devant toi. Ouais. Mais trop pas, rien à voir. Putain. Là, je t'avoue que ça me dérangerait pas que tu jettes les deux gus avec la banquette. Ah bah alors je le fais. Le pauvre débile, comment tu vas démonter la banquette? Ouais, calme-toi un peu avec ton accent, hein. C'est pas parce que je comprends rien de ce que tu dis que je sens pas que tu parles de moi. Oh, tu merde. Qu'est-ce que... T'as acheté quoi? Mon pantalon. Dans le doute, je me suis dit que ça pourrait gêner leur visibilité. Pas con, mais ça te gêne pas d'encore revenir de mission sans froc? Ah, j'avais pas beaucoup d'autres plans sur le coup. Et le jeter violemment à la gueule du premier vieux qui passe, ça fait partie du plan aussi. Bon bah ça va, j'ai pas pris en compte tous les paramètres. Ça arrive. Je vais pas vous inquiéter, mais j'entends plus les sirènes, les mecs. Vous voyez quelque chose de derrière? On dirait que l'ambulance s'est arrêtée. Je crois que du coup elle prend en charge le vieux qui a avalé le pantalon. De quoi? Ah ouais, putain, désolé, je pensais pas que je l'avais lancé si fort. Mais pas ça, une ambulance. Tu te fous de moi? Ah ouais, tiens, j'avais pas fait le rapprochement. Mais maintenant que tu le dis. Les flics, ils se baladent pas en ambulance, en fait. Oh putain! Ah bah moi, je voulais le dire au début, mais personne m'a écouté. Bah du coup, bonne nouvelle, non? Non seulement on n'est pas poursuivi par les flics, et en plus mon plan a marché. Merci qui? Bah du coup, je suis pas bien sûr de savoir s'il faut répondre, là. En fait, quelqu'un a vu Gate depuis qu'il nous a amené la voiture hier. Alors là, va savoir. Tu comprendras vite avec Gate que des fois, il vaut mieux juste pas savoir. Ouais, ça fait longtemps qu'on a renoncé, nous. T'as les deux, comme convenu? Les deux, je sais pas. On a réussi à en choper deux, en tout cas. Mais t'as bien le bras droit. Ah bah non, lui, il s'est barré, hein. Eh merde, putain. Bon, ils sont où? Juste là, au fond de la salle. C'est eux, là? Attends, ils ont pas de baillon? Mais celui de droite, il s'est mis à bouffer son baillon. Et puis l'autre, de toute façon, il dort. C'est pas pro, sérieux! Qu'est-ce qu'il va dire, le boss? Attends, le boss, il voulait qu'on mette des bâtons dans les roues du docteur Bonobo. Eh voilà, c'est fait! On a deux de ces gars. On n'a plus qu'à attendre la rançon. La rançon? Attends, le boss, comme tu l'appelles, il nous a juste payé pour qu'on les capture. Personne n'a parlé de rançon. Moi, j'en ai parlé. Voilà. Maintenant qu'il est lancé, on fait quoi? On vote? Eh, je te préviens, tu seras pas majoritaire, hein. Nous et les gars, on s'est fait chier à capturer. On a bien droit à notre petit bonus. Regarde-le, celui-là qui dort. Excuse-moi, hé. Hey. Hein? Ouais, toi, belliqueux. C'est pas pour te commander, mais perso, je le réveillerais pas si j'étais toi. Ta gueule, toi, t'es un otage, on te demande pas ton avis. D'accord, quand tu veux! Putain de con! Et où, réveille-toi. Putain, mais ferme-la! Putain, elle m'a fait peur, ce con! Ah, c'est qui cela? Pourquoi on est là? On mange quoi? Quelqu'un a passé au repas? Non, c'est bon, il est 11h, je mange, j'en sais rien. Mais il est complètement con ou quoi? T'avais prévenu? Dans la crosse de tueur, j'ai marqué 4x4! Bon, maintenant, écoute-moi bien. Stop. Voilà, merci. Maintenant, écoute-moi bien. Jusque-là, l'ambiance était quand même vachement sympa. Les bidons en feu, les cagoules, tout ça. Et c'est vraiment pas contre toi, mais pour que la cohabitation soit effective, je propose qu'elle soit courte. Alors voilà ce qu'on va faire. Question! Déjà? Oui. Ça peut attendre? Oui. Bon, j'en étais où? Le plan! Le plan! Tu vois la porte juste là? J'y cours! Non, tu restes là. Je veux que tu te mettes devant pendant que je me cache derrière le mur. Toi, tu fais ton truc pour attirer tous les gars vers toi, et après je m'occupe du reste. Mon truc? Tu gueules. Ok! Ah! Mais qu'est-ce que tu fous, Abou? Encore? Ah! C'est pas bientôt fini! Encore? Putain! Ah! Y'a personne qui me dit de... C'était le dernier. Il est pas mort! Il bouge! Il bouge! Mais non, t'inquiète pas, gamin. Regarde. Allez, viens, gamin, on s'arrache. T'es beaucoup, beaucoup trop fort. Quête, je veux une glace. Oh non, le café. Oh non, une glace au café. Tu fais chier, gamin. Pourquoi c'est nous les méchants? Pour qu'il y ait des super-héros, gamin. Mais c'est complètement con. Hé, si je suis un clone, ça veut dire que le docteur Blomo, c'est mon papa? Non. Et toi, je peux t'appeler papa? Écoute, je sais pas, gamin. Parce qu'en fait, depuis le début, c'est lui qui faisait tomber les livres. Tiens, t'as arrêté de parler aux pigeons morts? Tu t'es fait un copain? C'est 129. Ouais, c'est moi, 129, le nouveau copain du carnet des portes du quartier général du docteur Bonobo. J'aime bien son style. D'accord, mais vous étiez où? Ça fait 3 jours que personne garde la porte du QG. Ce serait trop long à raconter. Moi, je suis sûr que je peux tout dire hyper vite. Ça va aller. On s'est fait enlever par 3 gars bizarres dans une grosse voiture noire avec des fenêtres teintées. J'ai vomi 4x4. Après, ils nous ont emmenés dans une grosse maison en pierre avec pas de fenêtres. Je me suis endormi parce que moi, les trajets en voiture, ça me donne le sommeil. Et après, il y a un des gars qui m'a réveillé et Gate m'a dit qu'il avait un super plan. Alors j'ai gueulé devant la porte comme ça. Bouah! Et là, Gate, le gars, il lui a craqué le cou plein de fois. Et il y avait plein de gars bizarres qui dormaient par terre après. Sauf que eux, ils se sont pas réveillés parce qu'ils manquaient de sommeil. Et puis après, on est sorti et j'avais envie d'une glace ou d'un café. Et du coup, j'ai dit une glace au café parce que des fois, ils font ça. Et après, j'ai posé plein de questions à Gate, mais il m'a pas toujours répondu. Mais c'est pas grave. Parce que c'était un super voyage et que c'est la première fois que j'ai un ami. Et puis à la fin, on est arrivé au QG, et il y a Tristan qui a demandé à Gate s'il parlait plus à son pigeon. Et après, j'ai dit que c'était mon ami, et ensuite j'ai tout raconté. Y'a quoi ici? Oh putain, le truc énorme! Ça doit être ça le machin dont le Doc Bob parlait. Alors attends, allumation, voilà. Activation en cours.
Bienvenue numéro 14. Ouah, elle connaît mon nom en plus. Un accord 9000 est conçu pour connaître absolument tout de chaque chose. Ah ouais, vas-y, quelle est la capitale de la France? La France. Énorme! Vas-y, autre chose, quel est le vrai prénom du docteur Bonobo? Le prénom du docteur Bonobo est... Oh putain, faut que j'aille prévenir les autres. 14 qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi, machin, faut que j'aille prévenir les autres. Frédéric, mon nom. Ok, donc je vous raconte. Ah, classe, j'adore les histoires. Ouais, enfin, fais vite. Ouais, en gros, je traînais dans les couloirs en cherchant un truc à faire, et là, je tombe sur cette porte métallique avec des écriteaux « Entrée interdite »,« Ne pas toucher » et tout. Donc, je rentre, et là, je tombe sur ça. Mais c'est quoi? Eh bah, ça, c'est... Enfin, ça me paraît évident. Ah bon? Ouais, enfin, c'est... Vas-y, c'est quoi? Ça, c'est une machine qui est capable de répondre à n'importe laquelle de nos questions. N'importe quoi qu'on lui demande, ça peut y répondre. N'importe quoi. Bah vas-y, allume-le. Active à court en... Ok, je commence. Un truc que j'ai toujours voulu savoir. D'où vient Get et comment est-il arrivé ici? Ah ouais, bien. Comment non comprise? Ouais, bah en même temps, tu m'étonnes qu'ils comprennent rien avec ton accent aussi. Regarde, accent. Qui est Get? Aucun membre du personnel du QG ne répond au nom de Get. De quoi? J'ai rien fait, moi. Attends, autre chose. D'où vient Victoria? Aucun membre du personnel du QG ne répond au nom de Victoria. C'est quoi ce bordel? Je vous jure que ça marchait tout à l'heure. Toutes les informations de la base de données ont été effacées aujourd'hui à 17h48. Oh putain! J'ai pas tout compris, je crois. Bah attends, tu vas où? Il est bizarre ce gars, des fois. Ça sent les mecs avec des accents. Qu'est-ce que tu fais là, déjà, toi? Docteur Bonobo! Putain, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu veux? La salle. Le machin, le... Hein? Excusez. La grande machine qui répond à toutes les questions, là. Elle a été sabotée par quelqu'un cet après-midi. De quoi? La voix féminine hyper dérangeante, là. Elle a dit que toutes les informations avaient été effacées. Oh, merde. C'est très grave? Non, mais ça veut dire que non seulement on a une taupe dans l'enceinte du QG, mais qu'en plus elle est assez conne pour saboter un truc qui marchait déjà pas. Elle marchait pas? Oui, remarque, je sais pas pourquoi je m'étonne. Mais je n'en serais pas aussi sûr, moi, Teruptalefnin. De quoi? Rien. Non mais je m'en fous de ça. Je veux juste savoir pourquoi j'ai pas été invité à sa réunion de merde. Vous faites partie du QG, vous, maintenant? Ah bah ça, il aimerait bien. Non, non. Moi, je fais mes trucs de mon côté. Enfin, merde, il a invité tout le monde. Le docteur Bonobo a voulu réunir le plus de gens de confiance possible. Parce qu'il suspecte qu'il y a un traître dans le QG. Et comme vous, vous êtes... Dérangeant. Casse-couille. Il a pas voulu vous inviter parce que... Voilà. Oui, parce qu'il suspecte que je puisse être le traître. Bah oui. Oui, franchement, ce serait pas ultra surprenant. Et vous? Quoi, moi? Ça ne fait pas longtemps que vous êtes là, et en plus, personne sait d'où vous venez. Pourquoi vous avez été invité, vous? Moi? J'ai prêté allégeance au docteur Bonobo. Essayez de faire pareil, peut-être qu'il vous fera confiance et que vous ferez moins... Clodo? J'ai pas besoin... Je pars quand je veux, moi! Bon, c'est rare que je vous réunisse tous comme ça, mais il fallait que je prenne des précautions. Ça fait un moment que je commence à le ressentir, mais je suspecte de plus en plus qu'il y ait quelqu'un dans le QG qui essaie de saboter nos missions. Est-ce qu'on en est sûr? On peut être sûr de rien, mais l'important c'est surtout de pas commencer à accuser des gens au hasard, ok? D'accord, mais quelqu'un a pensé à inviter l'autre type, là? Le docteur Sharp? J'ai préféré qu'il sache pas trop ce qui se dit ici, comme on n'est jamais vraiment sûr de ses actions. Non, non, l'autre. Qui, Saguette? Mais non, le mec chiant dont on se rappelle jamais le nom, là. Je l'aime pas bien, lui. Je suis juste là, 14. Ah oui, bah voilà, très bien. On parlait de toi, justement. Bon, écoutez, on peut passer à autre chose. On devrait pas commencer à revoir le déroulement des missions? Comment ça? Bah, s'il y a quelqu'un qui fait volontairement caboter nos missions, on devrait commencer à les faire par binôme hétérogène, pour que tout le monde soit toujours surveillé. J'y crois pas, comment il se la pète avec ces mots? Pas bête. Pour les prochaines missions, on va commencer à faire des groupes de deux, alors. Oh, je peux être avec 24? Non, j'aime mieux que tu sois avec quelqu'un de plus sérieux. Victoria, tu seras avec 24. Très bien. 14, tu seras avec Frédéric. Ok. Il va venir pour qu'on le mette au courant. Pourquoi j'ai proposé ça, moi? Du coup, il reste quand même le docteur Sharp et Gate qui seront au QG pendant les missions. Exact. On va les mettre ensemble à la surveillance des portes du QG. C'est risqué, mais je vois que ça. Au moins, ça forcera peut-être Gate à rester devant les portes. Pourquoi il est où, là? Bah, la dernière fois que je l'ai vu, il se cachait derrière la porte pour écouter ce qu'on disait. Tellement pas! Une chose de faite. Et nous, c'est ça, notre binôme? Pas très glorieux? Si tu veux voir les choses comme ça, très drôle. Tu crois vraiment que tu pourras me surveiller, moi? Qu'est-ce que tu veux encore? Que t'arrêtes les conneries. Les compromis, surtout. Quoi? Quel compromis? On te dit qu'il y a un traître qui menace de diviser ton QG, et toi tu fais des équipes. T'aurais voulu que je fasse quoi? Que t'arrêtes de te laisser marcher sur les pieds. Y a intérêt pour toi à ce que tes petites pertes de temps mènent à quelque chose. Eh, j'ai entendu ça. Salut, Doc. Ah, 14, je voulais te demander... C'est qui, lui? Jinky... Oula, sans déconner, c'est qui, lui? C'est 129. Attends, 129? Mais oui, j'en peux plus, là. Le
Le taré hyperactif qui fait chez tout le monde. Non, mais ouais, justement, là, il est sous dépresseur. Sous antidépresseur. Non, en fait, il est allé au labo et les gars là-bas, ils n'arrivaient pas à le faire sortir et ils en pouvaient plus. Du coup, ils lui ont donné un truc pour qu'il soit moins heureux. Mais c'est presque pire là, parce qu'il déprime tout le monde à parler de mort tout le temps. Envie de crever. Vous avez pas essayé de le foutre en cuisine pour qu'il laboue comme 132? Alors non, au cuisine, il a essayé de se buter avec des ustensiles. Donc bon, c'est pas que je l'aime bien, mais ça fait quand même de la peine quoi. De la peine de mort. Ta gueule. Ah ouais, quand même. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, j'en peux plus moi, il me prend la tête. Bah, ça t'énerve tant que ça? La tête de mort. Il y en a plein d'autres dégâts chiants dans le QG. Mais il m'a piqué ma place, il veut pas bouger. De ma place. La place du mort. Juste pour ça. Bah, c'est ma place. Si je change après, ça va encore foutre le bordel avec les autres numéros et tout. Mais je pourrais pas l'attaquer pour vol. Vol de mort. Écoute, on va pas y passer la journée. Si tu veux, j'appelle la sécurité, il le ramène dans son lit pour qu'il déprime dans son coin sinon. Mon lit de mort. Au pire, tu peux essayer de le menacer pour voir s'il part. Menace de mort. Tu crois que j'ai pas essayé? Ça fait 4 heures que je lui dis que je vais lui faire tomber le buffet sur les genoux s'il arrête pas. Arrête mort. Après, il est pas forcément question qu'il reste en ville, gars. Question de vieux de mort. Ouais, j'en ai parlé au docteur Bonobo, mais il veut pas qu'on puisse se tuer entre numéros, soi-disant pour pas mettre l'ordre du QG en danger. Danger de mort. Mais te fixe pas sur lui, c'est la première fois que je te vois comme ça. Mange. Menace de mort. Non, mais ça va, j'ai plus trop d'appétit là, il me déprime. J'ai bien mangé 2-3 murs tout à l'heure, mais enfin. Mort de la mur. Hein? Mur de la mort. Ah. Donc bon, voilà, c'est juste chiant de plus pouvoir manger à ma place et en silence. Silence de mort. Ouais, je comprends. Le Doc Bob a dit qu'il allait s'en occuper, mais j'attends toujours. Et puis il a jamais de temps libre quand c'est pour les numéros. Non, mais c'est clair, après faut voir aussi qu'il a un monde à conquérir, le gars, juste. Il peut pas s'occuper de tous ses sbires. Non, non, je sais. Tu dis plus rien, toi. Mortadelle. Ouais, c'est super beau ce que vous dessinez, Doc. Enfin, c'est dégueulasse, mais c'est vachement bien fait. Même moi, j'en serais incapable. Ah si, je vous jure. Oh, regardez, vous voulez que je vous dessine un truc pour voir? Bon, allez, d'accord. Alors, tenez-vous bien. Hein. Docteur Bonobo? C'est parce que vous êtes fâché que vous me dessinez en train de mourir? Plutôt cette semaine, dans la banque de Bretton Woods. Attends, mais tu veux dire que t'as oublié les armes là-bas? Vas-y, gueule le plus fort si tu veux. Je sais pas si les 80 flics en face de la banque t'ont entendu dire qu'on avait même pas de quoi buter les otages. J'ai dit ça? Mais réfléchis une seconde! Sans armes, on a aucune menace. Il faut qu'on se barre. Ah mais attends, j'en serais pas si sûr, moi. De quoi? Mais bien sûr que si, regarde. J'ai déjà entendu dire que si tu mordais un mec au bras, il pouvait se vider de son sang. Alors voilà ce qu'on fait. On sort devant avec un otage. Voilà ce qu'on fait. Tu fermes ta gueule maintenant et on cherche une autre solution. Voilà ce qu'on fait. On sort devant avec un otage, toi tu me le tiens par derrière avec le bras tendu vers la gauche, et moi je me tiens à côté avec la bouche ouverte. Ils vont comprendre tout de suite que s'ils veulent pas négocier, je le vide de son sang en le mordant. Et là ils vont paniquer et ils vont nous obéir. Putain mais comment on va faire? Faut qu'on trouve un moyen de se barrer, et vite! Et puis elle est où la nouvelle? Non attends, je sais, on a plein d'alcool dans le bureau du patron. On le donne aux policiers, comme ça ils croiront qu'on veut négocier, mais ce qu'on leur dit pas, c'est que c'est de l'alcool inflammable. C'est toujours inflammable l'alcool. Encore mieux, comme ça ils le boivent et après on leur fout le feu. Tu vas fermer ta gueule! Pendant ce temps, dans le bureau du docteur Bonobo. Attends, attends. Quoi? Comment tu peux savoir ce qui se passe dans le bureau du docteur Bonobo? Bah, je suppose. Ah, pardon, reprends. Pendant ce temps, dans le bureau du docteur Bonobo. Attends, il a un bureau le docteur Bonobo? Bah ouais. Ah attends, c'est pas con ça, je sais pas. Bah il a pas plutôt un labo? Un labo? Bah ouais, pour inventer des trucs. Il invente des trucs le docteur Bonobo? Ben ouais, je crois. Bah attends, pourquoi on l'appellerait docteur sinon? Mes amis, je crois qu'on se lance dans un terrain qui est bien au-delà de nos capacités. C'est pas peu dire. Ouais. Donc, je disais... Pendant ce temps, dans le bureau du docteur Bonobo... Mais en fait, qu'est-ce que vous foutiez dans le bureau du doc? Mais bordel, fermez-la! Non mais c'est bon, te stresse pas. Comme en plus t'es nouveau, je vais prendre ta place. Quelle place? Bah, je vais dire au doc que c'est moi qui ai oublié les armes au QG. Attends, tu ferais ça? Bah bien sûr. Putain, franchement, c'est hyper sympa. Merci, 14. De toute façon, il m'en veut déjà pour un tas de trucs qu'il a fini par me pardonner, donc ça pourra pas être pire. Ouais, t'as raison. Aucune chance que ce soit pire. Eh non, je suis tranquille, je te dis. Bon, il arrive. Je te laisse. Et merci, hein. Ah, 14, t'es là pour le débrief de la mission? Ça s'est bien passé? Ah ouais, j'ai juste oublié les armes au QG, donc du coup on n'a pas vraiment pu cambrioler la banque, mais sinon ça va. Et donc là, les voyageurs, ils se font attaquer par des andouilles. Enfin, pas des genres de débiles, hein, des vraies andouilles, le légume quoi. Là, avec des pieds. Et leur chef, il prépare une armée de cuisiniers pour les vaincre. Sauf que quand c'est fini, il y a un cochon volant qui crache de la moutarde sur les cadavres des andouilles. Mais du coup, en fait, la moutarde, c'était de la moutarde bénite. Et alors les andouilles, elles ressuscitent. Vous racontez vos rêves à un pigeon empaillé. Alors, c'est pas un rêve, c'est un livre que j'ai lu. Il est pas empaillé, il est juste mort. Et... t'es qui? C'est une vraie question. Je suis pas philosophe. Je suis le docteur Sharp. Je suis plutôt connu. Ouais, à d'autres gamins. Vous ne me croyez pas? Quand tu dis que t'es connu? Clairement pas, non. Ou alors connu par des mecs chiants. Vous ne me connaissez même pas. Vous êtes qui pour dire ça? Excellente question! Je suis Gate, le gardien des portes du quartier général du docteur Bonobo! Je dis pas que vous servez à rien. Je dis juste que peu importe à quel point vous le hurlez, à partir du moment où vous êtes le quelqu'un de quelqu'un, c'est pas classe. Et je préfère encore être un super vilain autonome et avoir l'air chiant. Parce que toi, par exemple, t'as un gardien pour les portes de ton QG? Non. Bon, t'as un QG quand même. Pas exactement. T'as des portes.
La prochaine fois qu'on me refile un assistant, qu'ils essayent de faire en sorte de me trouver quelqu'un qui a au moins des portes, quoi. Attendez, je suis pas votre assistant, on travaille ensemble. Ouais, bah travaille ensemble dans le respect de la hiérarchie, gamin. Mais vous avez fini de gueuler. Je veux pas qu'on croie que j'ai pas d'autorité sur mes assistants, ok? Alors tu te calmes, parce que sinon je te vire. Et pense pas une seconde à revenir, parce qu'après je démissionne. Et puis au moins, si tu prends la porte, ça t'en fera une pour ton QG que t'as pas. Bonjour. Bonsoir. C'est bien ici, les portes du QG ? Qu'est-ce que tu veux, jeune imberbe ? Je suis un immense fan, et j'aurais voulu savoir si je pouvais avoir un autographe. Ah, encore un ? Bien évidemment. Allez, je te fais ça, quel nom ? Non, il y a un malentendu. C'est le docteur que je suis venu voir. Ah oui, ah, c'est embarrassant. Je savais pas qu'on me retrouverait jusqu'ici. Vous voulez une photo ? Pardon, c'est embarrassant, oui. C'est le docteur que je suis venu voir, le super vilain dans le QG. Comment ça ? Quel super vilain ? Le docteur Bonobo. Ah, lui ! Ok. Du coup, je peux entrer ? Où ça ? Dans le QG ? Non. Ce serait mal. Et assez vexant. Mais dis-nous, le jeune ! Comment peux-tu savoir que le docteur Bonobo se trouve ici ? Les écriteaux propriétés du docteur Bonobo sur les murs. On te demande comment tu as trouvé le QG. Il est supposé être top secret. Ah ben ça, j'ai remarqué. Comment ça ? J'ai mis des mois à le chercher. J'ai même suivi des cambrioleurs et des super vilains pour voir leurs mouvements. J'avais vraiment très envie de rencontrer le docteur Bonobo. Et donc, tu nous as traqués pour nous trouver. Voilà, ça a pas été facile. C'était classe. Ça t'arrive souvent ? Les admirateurs ? À te craquer des coups. Ah ça, j'essaye de pas perdre la main, quoi. C'est quoi ce délire tout noir, là ? Y'a même pas d'écho. Bonsoir ? Get ! Ah bah ok, lui il a de l'écho, quoi. Get ! Écoute-moi ! C'est quoi le problème, là ? Get ! Tu dois m'écouter ! Non, sans déconner, je peux avoir de l'écho ? Non, Get ! Juste dans ma tête, alors. Get ! Je suis Dieu ! Enchanté. Get ! C'est fini ! Marche vers la lumière à présent. Non, merci. Suis la lumière. Nope. J'ai jamais reçu d'ordre, et c'est pas une voix céleste qui va changer ça. Salut ! Tu vas où ? Dans l'autre sens, du coup. Non, tu ne peux pas... Attends ! C'est ça. Adieu, Dieu. Monsieur ? Monsieur ? Hein ? Monsieur, ça va ? Oula ! Laisse-moi le temps de ressusciter, là ! Et loin de toi d'un bon 10 mètres, mais maintenant ! Vous pouvez me faire entrer, alors ? Putain ! Bon. Vous vous appelez ? Max. Max ? C'est... C'est le prénom que ma mère m'a donné. D'ailleurs, c'est une histoire marrante. Ok, donc je m'en fous. Je m'assois. J'aime mieux pas. Je sais pas si j'ai tout compris. On m'a dit que vous veniez faire application en tant que super vilain coopératif. Non, c'est pas exactement ça. D'accord, ok. Je me disais bien que Max, ça collait pas, du coup. Non, parce que moi, en fait, je suis sbire bénévole. Pardon ? Non, je dis je suis bénévole. Oui, je vous remercie, j'ai entendu, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bénévole, ça veut dire que je travaille gratuitement. Pour vous. Il va falloir être plus clair. Eh ben, comme je veux me lancer dans le milieu et que ce qui m'importe, c'est le renom, ben j'ai décidé de travailler pour vous totalement gratuitement. Attendez, mais vous croyez que je les paye, mes sbires ? C'est pas le cas. Bien sûr que non. Ils me sont dévoués et ils veulent me voir conquérir le monde. D'accord. Et donc le bénévolat, c'est... Mais lâchez-moi la blouse avec votre bénévolat. Je vous dis que de toute façon, il n'y a pas de salarié ici. Du coup, je vois vraiment pas pourquoi je vous prendrais. Ben, je vous coûte rien. Autant me prendre. Vous risquez quoi ? Bah, vous me rapportez pas grand-chose non plus, hein. Vous avez fait quoi dans votre carrière ? Non mais attendez, moi j'ai pas de carrière. Je cherche à en avoir une. Ça marche pas du tout comme ça ? Parce que moi, j'ai peut-être pas de passif, mais je suis capable de faire plein de trucs. Je suis très polyvalent. Vous réfléchissez ? Non, je m'en fous. Cassez-vous. Vous savez ce que je pense ? M'en tape. Je pense que ça vous est monté à la tête, toute cette histoire. Mais si, toute cette histoire de conquête du monde, du coup... Vous êtes resté enfermé dans votre truc et vous laissez pas de place à la jeunesse. Vous allez partir, pas vrai ? Je pense que le mieux dans ma situation, ce serait que je trouve un super vilain jeune qui vient de débuter. Vous en connaissez dans le domaine ? Mais du coup, si je veux jouer sur le côté pas payé, je peux faire comment ? Bah, si c'est pour être un super vilain, je vois pas trop. Si, à la limite, les sbires des chefs de mafia, ils sont payés. Par contre, je vous déconseille d'aller là-bas avec votre laïus sur le bénévolat, hein. Vous allez passer pour un con. Plus que là ? C'est-à-dire que là, vous risquez moins de finir dans du ciment ou dans le broyeur d'une déchetterie. Ah ouais, c'est vachement plus sympa, du coup. Par contre, je peux toujours vous trouver d'autres trucs, hein. C'est vrai que nous, les sbires, on n'a pas une situation facile. Croyez-moi, si vous voulez, mais trouver une relation de travail stable avec un psychopathe, c'est pas toujours évident. Bonjour, docteur. Un peu. C'est un nouveau, doc ? T'es vraiment con, t'as pas vu sa gueule ? C'est qui, doc ? Lui, c'est juste un connard de bénévolat. Vous voulez quoi ? Non, juste pour vous dire que ça fait 3 jours que les piranhas ont rien bouffé. Bah oui, tiens, les piranhas. Bon, ben, je vais peut-être y aller, moi. Ce que je veux dire, c'est... Ce que je veux dire, moi, c'est... Tu peux te barrer de mon bureau ? Qu'est-ce que vous faites ? J'écris. Tu peux te barrer de mon bureau ? Je voulais juste vous demander pourquoi Victoria, elle est payée alors qu'elle vient d'arriver. Elle a fait serment de vous servir aussi, non ? Écoute, elle a peut-être juré de m'aider à conquérir le monde, mais Victoria, c'est avant tout une mercenaire. Et donc, vous trouvez ça normal qu'elle soit payée ? Pour une mercenaire, oui, plutôt. Et moi, par exemple, pourquoi je suis pas payé ?
Bah, c'est-à-dire que si tu veux passer au statut de mercenaire, c'est toi qui vois. Seulement moi après je me passe de tes services du coup. Ça me ferait chier de payer vu la qualité du machin. Dis, tu connaîtrais pas l'inverse du mot enfermement ? Liberté ? Liberté, ouais voilà. C'était tout ? Bah, c'est-à-dire que j'aurais bien très voulu... Très bien, reste-toi maintenant. Et oublie pas de bien fermer la porte parce que j'en ai marre de vous entendre vous faire courser par des putois depuis ce matin. D'accord, docteur. Parce qu'il est du devoir de l'humanité de se... Merde, l'inverse de s'affaisser. S'élever ? Ouais, voilà. S'élever à la... Merde, je l'ai perdu. Pas d'inspiration ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, tu le sais bien ce que je fais. T'écris un discours. Voilà, j'écris un discours. Super, tu peux arrêter. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Non mais c'est complètement con, tu le vois bien. Non seulement t'en es parfaitement incapable, et en plus tu pourrais utiliser ce temps à... Je sais pas, essayer de conquérir le monde. Qu'est-ce que t'en sais que j'en suis incapable ? T'en es incapable parce que je suis là. Ce qu'il faut pas entendre, je suis dans ta tête, abruti. Depuis le début. À essayer de te faire bouger, à te dire d'arrêter de perdre ton temps. Tu dis que je perds mon temps parce que je procède pas de la manière dont tu voudrais que je procède, c'est tout. Pardon, c'est quoi ta manière ? T'écris des discours et tu laisses ton QG s'entre-déchirer ? Ça marche jusque-là ? J'ai pas tout regardé. Ouais, si tu crois que tu m'aides, ton incapacité à écrire là, c'est notre cerveau qui est en train de te dire de te bouger le cul si tu veux pas retomber. Et crois-moi que j'attends que ça. Parce que quand tu tombes, c'est moi qui m'élève. Et Dieu sait que j'adore m'élever. T'es taré. C'est pas moi qui entends des voix. Une voix ! J'en entends qu'une ! Je le trouve vachement méchant, le doc, en ce moment. Bah, c'est pas normal pour un super vilain, ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Pas bien. Mais c'est pas la première fois qu'on me dit ça, alors que je vois pas du tout, en fait. Hein ? C'est pas méchant, hein, mais faut peut-être pas trop s'avancer. Bref, c'est juste que tout à l'heure, il m'a envoyé chier alors que je voulais juste lui poser une question. Et ça, c'est étonnant. Non, mais il l'a fait d'une manière hyper violente. Je te dis, ça lui ressemble pas. Il était pas juste froid, il était blessant. Il t'a vexé ? Un peu. Tapette. De toute façon, les Allemands, avec leur... Enfin... Ouais, non, je vois. Ouais, avec leur tête, tout ça, là... Enfin bref, du coup, je les connais direct. Non, mais j'aurais fait tout pareil, t'inquiète pas. À partir du moment où t'as un doute, une incompréhension, ou que le mec a une sale gueule... Tu cognes. Non, mais là, on s'entend. Par contre, perso, j'ai jamais compris comment tu t'étais retrouvé là-bas. Où ça ? Bah là, ce que tu racontais au gars tout à l'heure, sur le colis à récupérer et tout ça. Ah, avec les Allemands ? Ouais. Non, mais en fait, c'est vachement compliqué, parce qu'à l'époque, je connaissais pas la différence entre un aéroport et un aérodrome. Alors que maintenant... Bah, je connais toujours pas, non, mais le pauvre Bob me l'a expliqué tellement de fois que, du coup, pour lui faire plaisir... Ouais, je vois. Bah, en gros, je me suis retrouvé sur un vol au pif parce que je m'étais planqué dans une cage à clébards. Ce qui, sur le coup, semblait être une vachement bonne idée pour pas que le doc paye trop cher la mission. Et du coup, je me suis retrouvé en Arménie. Attends, mais t'étais pas en Allemagne ? Bah, qu'est-ce que je sais, moi ? Non, rien, mais tu t'es rendu compte de l'erreur ? Tu t'es pas paumé, ça va ? Ah, si, si, je suis sorti de l'aéroport et j'ai cherché le colis pendant 3 semaines dans le mauvais bled. Ah, ouais, quand même. Enfin, je me suis vraiment paumé en montagne 5 fois. Et j'ai failli mourir de soif 4 fois aussi. C'est chaud quand même. Ce qui m'a sauvé, c'est de me souvenir que quand t'as soif, il faut sucer des cailloux. Ouais, t'aurais pu trouver une rivière aussi, non ? Ah ouais, pas con. Y'a toujours des caillasses au fond des rivières. Ouais, ouais, exactement. Mais enfin, je suis pas sûr que je voudrais sucer des cailloux dans une eau remplie de poiscailles qui chient partout. Tu m'étonnes. D'ailleurs, tu penses pas que les animaux nous voient comme des sortes de dieux ? Comment ça ? Je sais pas, justement, les poissons rouges par exemple, on change leur eau, on fait pleuvoir de la bouffe du ciel. Peut-être qu'au fond, ils nous prennent pour leur divinité. T'es vachement profond comme mec en fait. C'est surtout que dans ma chambre, j'ai des poissons rouges. Mais vu que je branle pas grand chose, je les regarde en me posant plein de questions. Eh hey, mais j'avais pas vu, qu'est-ce que t'as au visage ? T'as fait un truc si grave que le doc a fini par te cogner dessus ? Ah ça, non, c'est juste qu'en fait j'ai essayé de faire mes lacets sans m'arrêter de marcher pour gagner du temps. Ah. C'est débile hein. C'est ingénieux, ça va. Non, c'est débile, ouais. Ah mais ça va, tu crois que le doc il a réussi à le monter du premier coup son QG ? Faut bien que je me plante pour y arriver, non ? Ouais, bon là, faire tes lacets en marchant, tu risques de te planter un paquet de fois avant d'y arriver. Ouais, génial. Pour une fois que j'avais dit un truc hyper profond en plus. Non mais t'as raison en plus, je rigole mais je me moque pas hein. Par contre, je te l'ai jamais dit mais je trouve ça génial ce que tu fais avec les animaux. Je fais quoi moi ? Non bah je sais pas, c'est pas ton araignée de compagnie que t'as dans les cheveux là depuis tout à l'heure ? Pas du tout, Attends, quoi ? Ah putain ! Enlève ça ! Ah bah t'es malade, j'y touche pas ! Fasse-moi un truc pour la jarter, vite ! Tiens ! Des ciseaux ! Eh, c'est mes meilleurs ciseaux ! Parce que t'en as des mauvais ! Je sais pas, j'ai que ça sur moi, mais coupe tes cheveux avec ! Mais quel genre de gars se promène avec des ciseaux, sérieux ? Et quel genre se trimballe avec des araignées domestiques dans les cheveux ? Pardon, c'est ici la réunion de débriefing des dernières missions ? Ouais, c'est là. Assieds-toi. Ok, ça fait bizarre. C'est normal qu'il y ait personne ? Ils sont tous en retard. Il y a eu un accident. Le docteur Bonobo a dû courir aux commandes ? Les commandes, voilà. Parce qu'il y a eu une inondation. 12 morts. Du coup, ils vont arriver. Mais ils doivent déjà réparer les fuites, c'est pas vrai. Attends, de quoi ? De. T'as dit quoi juste à la fin ? C'est pas vrai. Ouais ? Ouais, c'est pas vrai. J'ai menti. Je sais pas où ils sont. Par contre, c'est bien la salle. D'accord. C'est pas vrai ça non plus. Hein ? Je sais pas. Attends, t'es sérieux là ? Très. Je suis là pour une raison capitale. Laquelle ? Mentir. C'est la raison ça ? Non. Bon, asseyez-vous. Le docteur Bonobo ne viendra pas, il m'a demandé de diriger la réunion d'aujourd'hui. C'est juste un débrief, alors je pense que ça ira. Et pourquoi il vient pas, le docteur Bonobo ? Ouais, c'est vrai, ça ! On va pas commencer à discuter des raisons qui ont poussé le docteur à... Ah non, mais c'était carrément là, la salle, en fait. C'était juste pas la bonne heure. 14, s'il te plaît, commence pas. Va juste t'asseoir et tiens-toi tranquille. Ah non, mais moi, y a pas de problème, hein. Si c'est ça, la réunion, que personne n'est au courant et que tout le monde est à la bourre, moi, ça me fait lever plus tard, hein. Mais juste, il est où, le docteur Bonobo, en fait ? Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc il viendra pas, on fait ça entre nous. Sérieux, encore ? Tu veux pas t'asseoir, sérieusement ? Ah, t'es là, Tristan ? Moi, c'est Frédéric. Chut, chut.
Non mais sérieux, il se passe quoi là? Déjà il vient plus du tout en mission avec nous et maintenant il assiste même pas aux réunions capitales. Vous croyez pas qu'il y a quelque chose qui va pas? 14. Il a pas tort, pour un super vilain ça craint. On peut pas tous être des hommes d'action. Je crois pas que ce soit le problème là tout de suite. Non, pourquoi? Il a pas tort. Moi je suis allé en mission avec lui. De quoi? Ouais, on se voit, dans une ce matin. On a pillé Fort Knox, j'ai tué 4 super-héros avec un niveau à bulle. On est ressorti, c'est pas vrai. Je mens. C'est sous le coup de la panique, c'est une maladie incurable. Je mens. Et je vais sûrement en mourir à cause de symptômes. Non, c'est pas vrai. Pardon? Mais j'ai le nez qui coule. Beaucoup. Bon, un peu. Non, pas du tout. J'ai menti. C'est chiant, hein? Attends, c'est qui lui? Non, mais pose même pas de questions, c'est débile. Par contre, je peux vous dire pourquoi le docteur Bonobo vient pas. Ah bon? Ouais, mais je vais pas le faire. Je veux l'écrire. Dis-le nous, pauvre tâche. Il est mort. De quoi? À la mission, ce matin. Mais je croyais qu'il y avait pas eu de mission. Non, il y en a pas eu. Putain. Vous voulez que je vous dise qui c'est le traître aussi? C'est le psychologue. D'ailleurs, j'ai rendez-vous. J'ai des problèmes de dépendance affective. Je suis super mal à l'aise. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Tiens, 48? Oui. Tu peux me dire ce qui pue la mort dans tout le QG comme ça? Ah, vous avez remarqué aussi. On est tous impatients. De quoi? Bah, c'est le 8e du mois, donc aujourd'hui, c'est le jour où 14 prépare à manger pour tous les numéros. Il veut à chaque fois que ça reste une surprise, du coup, on est tous pressés de voir ce qu'il va nous faire. Attends, ça dit quoi? Bah, c'est le 8e du mois, donc aujourd'hui, c'est le jour où 14 prépare à manger pour tous les numéros. Il veut à chaque fois que ça reste une surprise, du coup, on est tous pressés de voir ce qu'il va nous mais faire. Mais y'a pas des cuisiniers dans le QG? Et puis c'est super dangereux. Pourquoi c'est 14 qui doit se taper la bouffe? Parce que c'est le 8e du mois. 14. Ah, bonjour Bob. M'appelle pas comme ça. C'est quoi cet accoutrement? Il est où ton uniforme? Ça, c'est ma tenue de chef cuisinier. Non. Ah bah si. C'est pas ça une tenue de... Bref. Ah mais attendez, j'ai pas dit que c'était une tenue de chef cuisinier. J'ai dit que c'était ma tenue de chef cuisinier. Je veux pas faire exactement comme les autres. Bref, je peux savoir ce que tu fous? Des patates flambées. Des patates flambées? Ouais, enfin au début j'avais pas vraiment fait exprès de les faire flamber. Et puis il y avait plus de pommes de terre. Du coup j'ai fait ça juste avec des pommes. Vous êtes sûr que vous en voulez pas? Pour la 30e fois 14, je suis allergique. Pas de regret. Je peux savoir pourquoi c'est pas les cuisiniers qui font à manger? Parce que c'est leur jour de repos. Voilà. Et maintenant je peux savoir depuis quand ils ont un jour de repos les cuisiniers? Bah, je sais pas, c'est parce que si c'est... Si tu me dis que c'est parce que c'est le 8e du mois, je te fais bouffer le trou dans tes pommes. Je les mange déjà. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air tout triste? C'est parce que vous êtes allergique aux pommes? Je peux retourner en cuisine pour vous faire autre chose si vous voulez. J'ai plus le temps pour tes conneries 14. Docteur Bonobo? Docteur Bob, attendez! Ça suffit, 14, casse-toi. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais peut-être parce que même quand la situation est critique dans le QG, tu trouves moyen d'y foutre la merde. Tu sers à quoi ici à paraître le compte service qui fait marrer les gens? Bah, l'espion. Tu veux encore me faire croire qu'il y a un espion dans le QG? Ça t'a donné l'impression d'être indispensable de déclarer ça? Je vais te dire, dans le QG, y a pas d'espion qui nous détruit l'intérieur. Y a toi qui fous le bordel et les autres cons qui te suivent. Je veux plus voir ta tronche, 14. On arrive bientôt? On y est, c'est là. Wouh! Mais c'est naze! Bah, je sais pas à quoi tu t'attendais, hein. Ah, ça tu peux le dire. Deux. Trois. Qu'est-ce qu'on fout ici? Bon, en gros, le doc m'a dit que le livreur habituel du QG, tu sais, celui qui a un sourcil plus court que l'autre et qui mange toujours des... Bref. Il s'est claqué une pellicule, ou pété une clavicule, je sais plus. En gros, il manque des trucs au QG, donc on doit faire des courses. Mm-hmm, parfaitement. Question. Oui. Pourquoi le doc nous a envoyé nous, et surtout, pourquoi je suis obligé de te supporter? Tu vas arrêter de me couper la parole ou pas? Non. Bah, le doc est avec moi sous la main, et je suis venu te chercher parce que, bah, j'ai pas le droit de prendre la voiture tout seul. Bon, bah, ça va. Pardon. C'est où ça comme rayon? Quincaillerie? Je sais pas, on dirait le nom d'un de mes vieux potes. T'avais des potes toi avant? T'excites pas, c'est pas trop ton type. Ah? Ouais, c'est pas le mec méchant, mais il était plutôt du genre fourmi bicéphale pajoise quoi. Ok. Oh, 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 regardez-moi ça! Mes aïeux, on dirait que le magnifique Get, le conquérant gardien des portes sacrées, s'est dégoté une épée légendaire! C'est une épée en plastique. Et en plus, je pense pas que t'aies le droit d'être conquérant si tu gardes déjà une porte sacrée. Arrête vite ça! Y'a qu'un seul mec qui peut me dire ce que j'ai le droit de faire, et il est dans ma tête! N'empêche que tu peux pas faire les deux. Wow, j'en ai rien à faire, on la prend. Ah, sérieux, si on achète n'importe quoi, le doc va encore nous gueuler dessus. Le docteur Bonobo qui oserait élever la voix sur Get, le conquérant gardien sacré de la porte maudite! Laisse-moi rire. C'était pas les portes sacrées, y'a des ondes. Oh la vache! Une super promo sur les jambons secs! Viens! Ah, attends, là, regarde, je crois que c'est du détergent ce truc. Oh, je vais prendre du dissolvant. Ça peut servir à la cause et surtout ça peut faire fondre un tas de trucs organiques. Et ça, c'est cool. Bah, je suppose que tu peux si ça sert à la cause. Oh, regarde! Un homme sandwich! Le premier qui l'attrape! Attends! Non, mais... Vigile, homme sandwich... Aujourd'hui, les mecs sont habillés tellement n'importe comment, de toute façon. Je saurais pas dire. Me juge pas, j'ai horreur de ça! Et en plus, ça nous a permis de rien payer. Ouais, en tout cas, le doc va être content. Au final, on s'en sort avec pas grand-chose en trop, une épée en plastoc... Une épée légendaire, putain! Donne-moi ça! Hey. Oh oui, ma belle. Bon, 2 limes à ongles, 13, 14 râpes à fromage, 5 bouteilles de détergent et 2 de dissolvant, du nitro-citri-truc... Et un, qu'est-ce que... C'est quoi ce truc? Ça? T'en fais pas, va. Mais c'est vivant? Comment t'as fait pour le faire rentrer là-dedans? Je sais pas trop, j'ai trouvé ça en rayon poissonnerie, sur le coup je l'ai pris en pitié, le machin. C'est dégueulasse. Tiens,
Oublie pas de compter le vigile ligoté sur la banquette arrière aussi. De quoi ? Bah putain, on est les méchants ou pas à la fin ? Pardon, mais c'est la place de 21 ici d'habitude et je... Je crois, homme de main. Ah, encore vous. Ah, désolé, je sais que je marque les gens, mais moi je ne suis pas physionomiste. Du moins, je porte si peu d'intérêt à votre personne que je ne vous reconnais pas du tout. Vous êtes ? 14, le numéro à qui vous avez piqué la chambre ? Ah, non, 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 je vous remets toujours pas. Oh, pas grave, je m'assois à côté ? Non, vous... Non. Écartez-vous vite d'une demi-chaise ou je ne réponds plus de ce qui peut arriver avec cette fourchette. Pardon, pardon, vous aimez vraiment pas être proche des autres, vous, hein? D'ailleurs, on vous voit quasiment jamais dans le QG. Je n'aime pas les autres tout court, sbire. En revanche, leur proximité me provoque révulsion et envie compulsive de meurtre. Une différence notable que vous feriez mieux de noter quelque part dans votre cerveau cloné. Bien capté. Perspicace à souhait. Dans tous les cas, à contrario de votre docteur Bonobo, j'ai des choses à faire, je ne passe pas mon temps à traîner avec mes hommes. Ah bah... Ça se voit, sinon vous savez que le doc traîne jamais avec nous. Parlez la bouche pleine, c'est une prérogative chez vous, ou peut-être une sorte de don inespéré. Moi j'aime bien quand tu as des gens à table avec moi. La ferme. Et sinon, vous venez d'où en fait ? Pas du même endroit que vous, et encore heureux. D'ailleurs, je m'en vais tout de suite. Je suis foc de votre niaiserie et de votre incapacité chronique à comprendre la méchanceté gratuite. Tout cela m'exaspère au plus haut point. Je suis pas sûr, mais ça veut dire qu'en gros vous trouvez que je suis un con ? Combattre mes bulles magiques. Wow. Tu fais quoi? Des bulles de savon. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et les espadrilles, c'est pourquoi? C'est parce que j'aime bien. Ah d'accord. À part ça, tu sers à quoi dans le QG? Je sais pas trop, mais je suis content d'être là. Et tu ne pars jamais en mission? Ah, ben non. Mais j'aimerais bien aussi. Ah, donc, en fait, t'es juste un abruti d'incompétent. Oh, abruti d'incompétent, ça claque. C'est tellement mieux que 36. Remarquez, j'aime bien 36 aussi. Et concrètement, il y a rien qui te fait chier. Ah si, il y a un truc. Non, remarquez, j'aime bien ça aussi. Donc du coup, j'ai vraiment rien à foutre avec toi. Ah bon ? Oh, je vous aime bien, moi, pourtant. Allez, casse-toi. Putain, cet échec ! Ouah, trop bien, des escaliers. Alors, je trouve ça un peu dégradant de voir un super vilain en être réduit à se tasser dans son bureau les trois quarts du temps afin d'éviter ses propres hommes. Oui, bon bah, t'en fais un peu partie de mes hommes maintenant. Alors, il pourrait me prendre l'envie de te laisser de l'autre côté. Ouais, attends, Bonobo, ouais. Je pensais ça, c'est clair, mais je ne suis le rien de personne. Ouais. Enfin, à partir du moment où tu squattes encore mon QG, que tu dors ici, que tu manges ici, et que tu vis ici... Ça fait plus ou moins toi un de mes hommes. Non, ça fait plus ou moins rien du tout. Et je suis en visite d'affaires, figure-toi, en tant qu'hypothétique futur super vilain associé. D'accord. Sans paraître offensant, je vais être associé à quoi exactement ? Alors, pour l'instant, je suis en période de test. J'analyse tes hommes et ton QG, et si jamais ta cahute convient à ma cause éminemment supérieure, j'accepterai ton offre d'association et je te dévoilerai mes ressources. Et en attendant, j'établis mes quartiers ici. Attends, quoi ? C'est le moins que tu puisses faire. Une légende du métier comme moi est déjà bien modeste de s'abaisser à venir dans ce réduit rempli de... afin d'être vivant. T'as vraiment pas changé d'un pouce, toi, hein ? Sûrement. Je me rends pas bien compte, je suis pas assez centré sur ma personne pour remarquer ce genre de choses. Ben voyons. C'était pas ma couette, c'est vous qui m'avez appelé, pas moi. Excusez-moi, c'est bien ici le cabinet de vétérinaire Simiesque ? Non, pourquoi ? J'ai un piano à livrer à cette adresse. Bon, écoutez, je suis né au cadre d'époque du quartier général du docteur Bonobo. Et en plus, je dormais. Ouais, laissez, c'est bien ici. Ouais, c'est pour nous. Mais votre agent de sécurité nous a dit que c'était pas là. Notre ? Ah mais non, ça c'est Mathieu. Il est pas méchant, hein, mais il a quelques problèmes mentaux, du coup on le laisse traîner ici. Mathieu ? Je suis Guette. Ah bon, donc j'aurais juste besoin d'une signature ? Pas de problème. Gardien des... Deux secondes, Mathieu. Ouais. Voilà. Vous payez par chèque ? Payez quoi ? Bon, la livraison. Ah, oui. Payez la livraison. Mathieu ? Quoi ? Tu sais le truc que tu fais quand il y a des gens qui viennent devant le QG ? Le truc avec les nuques ? Ouais. Ah putain, c'était rapide. Ça faisait longtemps, putain. Bordel, mais qu'est-ce que vous avez foutu ? Il y a un putain de colis qui empêche de rentrer dans le QG. Ah oui, c'est nous. Mais c'est quoi ce truc ? Ah, ça c'est une surprise. On l'a fait livrer pour vous ce matin, comme on a vu que vous aviez pas trop le moral en ce moment. Vous avez fait livrer quelque chose au QG ? Ah mais non, vous inquiétez pas, il est mort le livreur. En plus, on a pris des pseudonymes. Ouais, lui c'était triple 8. Et lui c'était double 7. Mais c'est pas la question, bande de trous du cul. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? Maintenant, la compagnie à qui vous l'avez commandé a les coordonnées du QG. Ah non, ils ont les coordonnées d'un cabinet de vétérinaire. Ouais, un cabinet de vétérinaire sismologique. C'était pas simiesque ? Si, ta gueule. Écoutez, c'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre. Vous vous démerdez pour me dégager ça. Bah, il est parti où ? Je crois qu'il allait nourrir les espèces de gros piranhas, là. Quoi, les requins ? Ouais, voilà, les requins.
Bon, qui est chaud pour bouger le piano dans le bureau du Doc Bob? Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà galéré pour le faire livrer, donc je suis pas hyper chaud. Moi, j'ai juste pas du tout le temps. Entre les putois dans la cantine et les serpents... Moi, j'ai pas compris ce que t'as dit, donc non. Moi, j'ai bien aidé. J'ai cherché l'élévateur de mon grand-père qui traîne dans la cour. Faut juste que j'aille chercher des clés dans ma chambre. Je sais le conduire. Ah bah, parfait. Merci, 11. Non, mais en fait, c'est pas vrai. Putain, j'ai jamais eu de grand-père. Bon, apparemment, c'est encore à moi de tout faire dans ce que j'ai. Je me demande bien ce que vous feriez sans moi. Tu fais pas ça pour retirer les soupçons que c'est toi le traître? Pas du tout. Bonobo. Et donc, il t'a poussé sur une voiture? Ouais, enfin, c'est pas un truc de fou, hein, ça m'arrive tout le temps. Mais il a voulu me tuer! Ouais, enfin, ça arrive de vouloir tuer quelqu'un. L'important, c'est que t'es vivant. Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle de ça. Mais non, c'est pas ça qui est important. Il m'a laissé Poulvord dans une ville où les habitants m'ont jeté à la poubelle. Et je suis revenu me venger. Les gars, y'a que moi que ça choque. Mais pourquoi t'es venu ici pour te venger? Mais je vous dis qu'il habite là! Mais qui? Mais le commissaire Bamboula! Mais puisqu'on te dit qu'on voit pas de qui tu parles. Mais le grand tout sec, qui est toujours là. Et tu dis qu'il s'appelle comment? Le jambon beurre pectoraux. Mais il y a deux minutes, c'était l'inspecteur Bungalow. Moi perso, j'en suis resté à bon entendeur, glace à l'eau. Mais vous le faites exprès. C'est pas bien de notre faute si t'es pas foutu de retenir le prénom du mec dont tu viens de venger quand même. Attendez les gars, parce que je sais pas si vous avez saisi le plus important là. Mais moi j'ai rien saisi. Je sais. Mais vous trouvez pas ça bizarre que 32 ait survécu? Comment ça? C'est vexant. Bah c'est pas toi qui passes ton temps à te plaindre que les sbires ils crèvent en une claque d'habitude? Si. Eh bah, celui-là il s'est pris une voiture quand celui-là, même. Celui-là il a un prénom, hein. Il s'appelle Twitter. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, ça veut bien dire quelque chose, genre qu'il a un super pouvoir. Ouais, ou alors que c'est un personnage récurrent, mais ça serait chiant, le running gag s'essouffle assez vite. Bon, allez. C'est pas tout, mais moi j'ai affaire. Ah ouais? Déjà? Ouais, le docteur Bonobo veut que je prévoie des trucs pour la mission de Bidule et Victoria, et comme il peut pas trouver ma tronche en ce moment, j'essaie d'arriver en salle de réu avant midi. Ouais, je comprends. Enfin, malgré ton accent. Quoi. Attendez, vous avez dit qui là? Quoi? Le docteur Bonobo? Oui, c'est ça! C'est comme ça qu'il s'appelait celui que je dois tuer! C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure! Oula! Tu veux tuer le docteur Bonobo? Mais oui, c'est lui qui m'a poussé sur la voiture! Attends! Hey! Pardon, c'était ton goûter? Bah ouais, non, mais je comprends, hein, ça traînait. Au fait, ça s'est passé comment ta mission dans la banque avec Frédéric la dernière fois? Bah, la mission à la banque, ça a foiré, mais Frédéric il était pas là. Enfin, je crois pas, parce que de toute façon, je vois pas qui c'est donc. T'étais pas censé être en binôme avec quelqu'un? Bah si, il y avait l'autre con là, même qu'il a oublié les armes et qu'il a trouvé tous mes plans pétés. Quoi, Frédéric a oublié les armes? Mais putain, parce que je te dis que je vois même pas qui c'est lui. Moi je te parle de l'autre con. Mais c'était qui du coup? Pascal. Ou non, Isolt, ou Jerry, je sais pas, je me rappelle jamais de son prénom, mais tu vois de qui je parle. Ah mais oui, Frédéric. Ouais, voilà, lui, là. Mais attends, je comprends plus rien, là. Le docteur nous a dit que c'était toi qui avais oublié les armes au QG. Ah ouais, mais ça, c'est parce que j'ai servi de pacemaker. De quoi? Bah ouais, c'est moi qui ai tout pris dans la gueule à sa place. Ça a dû être violent. Je pensais que ça allait le faire, mais au final, il était ultra vénère, genre colère froide, limite glaciale, style le zéro absolu de la colère, quoi. Il t'a pété la gueule? Non, il m'a juste dessiné en train de mourir, mais c'était violent pareil. C'est assez rare que ça se passe aussi bien depuis que je suis dans ce QG. Ouais. C'est clair que c'est la première fois qu'on fait une mission ensemble et tout de suite, ça change tout. On arrive, on vole ce qu'il faut, et on repart. Ni vu, ni connu. Je me disais... Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? T'es malade? C'est plutôt gros une caisse d'armes, non? De quoi? Oui, je suppose. Gros comment? Je sais pas, gros comme ça. Écoute, Victoria, tu me fais peur, là. Alors comment t'as pu l'oublier dans le QG? Tu serais un des clones, je dis pas. Mais t'es pas réputé pour être stupide, si? Ah, toi, t'as parlé à 14. De quoi? Oui. Il t'a raconté la mission à la banque et t'as tout écouté. Ça m'étonne pas. Attends, là. Écoute, Victoria, je sais pas exactement ce qui se passe entre 14 et toi, mais tu peux pas m'accuser en ayant juste sa version. Tu l'as dit toi-même, ils sont stupides, ces gars. Entre 14 et... Il t'a parlé de moi? Écoute, on en reparlera après. Mais ce serait bien qu'on trouve un moyen de sortir de cet ascenseur maintenant. Bah, on passe par la trappe. La trappe? Bah oui, la trappe de secours de l'ascenseur, après on descend par les câbles. Attends, mais on n'est pas dans Star Wars, j'ai jamais fait ça, moi. Amateur. Alors, ma chérie, c'est très bien, donc voilà, ton père est allé manger avec Poutine ce matin. Ah, et toi, de ton côté, ça se passe bien, sinon? Ouais, tout s'est bien passé jusque-là, le voyage était super, première classe et tout. De toute façon, j'en avais marre de passer mon temps et de me faire griller sur les plages. Et ça va, le décalage horaire? Pas trop dur? Non, ça va. J'avais un super hôtel à Liverpool où j'ai passé la nuit. Le lendemain, on est allé voir le docteur Bonobo. C'est un homme tout à fait charmant. Et les locaux sont vraiment bien. Ah, je suis contente, ça me fait plaisir. Je suis rassurée que tu sois bien installée. Ah, ça a l'air vraiment bien comme endroit. Oui, tout se passe bien. Il y a juste les clones, enfin, les hommes de main du docteur Bonobo. Ils sont complètement cons et puis évidemment, comme ils ont que des numéros, on passe notre temps à les confondre. Oh oui, ça doit être compliqué. Humaine au milieu de tous ces débiles? Non, il y a aussi Frédéric par exemple. C'est un peu le bras droit du docteur Bonobo. Il est pas méchant. Mais c'est un garçon un peu effacé, louche quoi. Il y a Guette. Personne sait vraiment d'où il vient. Il est vraiment passionné. Ah bah ça c'est bien d'être passionné. Hein.
Non, en fait, c'est très chiant. Et aussi le docteur Sharp, c'est un vieil ami du docteur Bonobo. Lui, par contre, c'est vraiment un vieux con. Oui, oui. Donc, en fait, ils sont tous bizarres et en gros, t'es la seule fille. Ouais, mais ça va. Ils sont cons, mais ils sont pas méchants. Le clown qui m'a emmené au QG le premier jour, 14. Il est sympa, par exemple, on s'est vite bien entendu. Victoria! Par contre, il va falloir que j'y aille, on m'appelle, je dois te laisser. Pas de problème, ma chérie. Mais avant de partir, dis-moi, tu me le présenteras un jour, ce 14? Il m'a l'air bien comme garçon. C'est toi? Je savais pas que tu savais jouer. Ah ouais, moi non plus. Comment ça? Bah je sais pas, j'ai trouvé ça dans un coin du grenier là-haut. Sur le coup j'ai cru que c'était une table basse. Du coup je l'ai prise pour voir et puis c'est venu tout seul comme ça. Alors tu serais naturellement doué pour la musique? Pour la musique je sais pas, en tout cas pour le xylophone apparemment. C'est une guitare classique ça, tu le fais exprès? Vous m'avez fait peur. Vous arrivez vraiment comme un assassin. Je prends ça pour un compliment. Bref, tu veux pas arrêter de faire chier avec ta guitare? Ah, c'est pas moi. Comment, c'est pas toi? T'as quoi dans les mains, là? Ah non, moi ce que j'ai dans les mains, c'est un xylophone. Non. Vous êtes sûr? Non, parce que je suis naturellement doué pour la musique. Un xylophone, ça a des lamelles de bois sur lesquelles tu tapes, et c'est monté sur pied, abruti. C'est même pas un instrument à cordes. Et alors? Deux. Bah ça fait quoi qu'il ait pas de cordes? C'est pour me rabaisser, c'est ça? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, puisque justement c'est pas un xylophone, c'est une guitare classique. Donc c'est un instrument à cordes. Ouais. Bah d'ailleurs je ferais pas trop le fier à votre place, parce que vous avec votre piano là dans votre bureau, bah vous avez pas de cordes non plus hein. Si, espèce de prodigieux trou du cul, le piano c'est un instrument à cordes, tout comme ta guitare. N'importe quoi, le piano c'est un instrument à touche, comme le xylophone, c'est même vous qui l'avez dit. Bon ouais, tu sais quoi? Quoi? Merde. Je crois que t'as vraiment poussé là, 14. Ah, tu crois? C'est une conversation plutôt calme, non? C'est original, ça, pour un super vilain. Y'a toutes les missions qui foirent, et tes hommes qui commencent à se foutre sur la gueule, et toi, tu trouverais mieux à faire que jouer du piano. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Tu sais très bien ce que tu devrais faire. Ce que Mariam nous a dit de faire depuis le début. C'est pas bien de ma faute si elle a fini par nous chasser? Bah, justement, un peu aussi. Tu peux me laisser jouer tranquillement? Tu peux passer aux choses sérieuses au lieu de glander? Le piano, ça me détend. Si j'en joue pas, je vais finir par tuer quelqu'un. Mais c'est parfait, comme ça on fait d'une pierre deux coups. Sérieusement, t'en as plus rien à foutre, hein? De quoi? Te fous pas de ma gueule. Étant donné que t'es moi et que je suis toi, ce serait comique. Toutes tes ambitions, t'en as fait quoi? Tes projets, ton idéal de justice, ce monde à ton image dont tu rêvais. Et le QG, il va finir comment? En fumée comme le reste? Et c'est pas non plus avec ton armée de clones bordéliques que tu vas arranger les choses. C'est bon, ça y est, t'as fini? Joue au con. En attendant, si tu te décides pas à faire quelque chose, ça me laissera le champ libre. Si tu le prends comme ça... C'est déjà arrivé, et ça recommencera. Joue pas à l'abruti, tout est en train de s'écrouler autour de toi. Et t'es pas foutu de réagir. Tu sais très bien comment ça va se passer. Barre-toi maintenant, je te laisserai pas recommencer. Sans moi, t'es qu'un minable, Mlock, et t'en as parfaitement conscience. Tire-toi, putain! Qui va là? On ne passe pas ces portes! Putain, ils sont vraiment trop cons, tes sbires. C'est moi. Vous? Oui, moi. Ici? Oui. Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je sors. Je sais pas si c'est bien raisonnable. Écoute, je t'ai engagé pour laisser personne entrer dans le QG, on est d'accord? Évidemment, je suis guette! Bon, donc à partir du moment où je sors du QG, tu fais pas chier, ok? Mais vous allez où? Quelque part où je pourrais réfléchir sur mon subconscient sans me faire emmerder toutes les 30 secondes. Pour la troisième fois, je suis pas philosophe. Et puis de toute façon, j'ai pas compris. Bon, je vais juste aller chercher qui je suis. Vous savez pas? Pas bien. Mais faites comme moi! Comment ça? Je suis Guette, gardien des portes du quartier général du docteur Bonobo! Écoute, c'est super pour toi. En attendant, moi j'y vais. Mais oui, je sais qui je suis. Je suis Guette, gardien des portes du quartier général du docteur... Ah bah non, je sais plus trop du coup... Dis-moi, Bob, quand est-ce qu'on commence à s'amuser? En tout cas, c'est hyper sympa de me recevoir, hein. J'ai toujours voulu passer à la télé de mon plein gré. C'est pour une interview, c'est ça? Encore une fois, monsieur 14, c'est pas pour la télé, c'est pour un hebdomadaire. Ah bon, bah j'espère qu'il sera content. Non, c'est... Pas important, c'est pas important. Asseyez-vous, on va commencer. Bah, je marchais dans la rue, et je revenais de... De quoi je revenais déjà? Enfin bref, je marchais, et sur le trottoir en face de moi, je vois un grand mec avec un genre de cape noire, du genre fin mais hyper flippant. Et là, d'un coup, paf, il perd 130 points de QI d'un coup, le mec. Comme je vous dis, il se met à hurler n'importe quoi et à se frapper la tête contre les murs, genre complètement possédé. Alors bon, quand il s'est calmé, je suis allé le voir. Je lui ai demandé ce qu'il avait et comme il arrêtait pas de m'envoyer chier, j'ai changé de sujet pour lui demander ce qu'il faisait dans la vie.
Il m'expliquait que c'était un génie du crime, qu'il terrorisait les populations pour prendre le contrôle du monde. Alors j'essaie d'être sympa, je lui dis que ça a hyper bien marché, parce que pour le coup il a quand même fait fuir tout un trottoir. Et c'est pas rien un trottoir, vous savez. Ensuite il m'a demandé s'il me faisait peur. J'ai répondu que pas trop, et de fil en aiguille j'ai accepté qu'il me clone pour lui faire une armée qui l'aiderait à conquérir le monde. En même temps j'étais au chômage technique depuis 3 ans, j'allais pas dire non. Du coup c'est bon, je suis à la télé là. Je vous en prie, asseyez-vous. Ah non, mais j'ai juste pour vérifier que le mec m'a pas dit de conneries. Vous l'avez interviewé pour la télé. Non, mais déjà, c'est pas pour la télé. Et puis, asseyez-vous, ça va prendre 2 minutes. Mais un ton. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le docteur Bonobo? Qu'il t'emmerde? Connard. Pardon? Non, je disais qu'il t'emmerde, connard. Et puis, tout ce que t'as dit l'autre con. J'y réfléchirai à 2 fois avant de publier ta merde si tu veux pas que je te traîne la tronche hors du gravier jusqu'au QG et qu'une fois là-bas, je te fasse des choses sales. C'est-à-dire que je... Je sais pas encore trop quoi, hein, qu'on soit clair. Mais il y a tout le matos là-bas. Attendez, parce que moi, je... Vous voulez toutes les garder, vos dents?